ensuite, qui doit justement être placé de façon à ce qu'on puisse avoir accès aux objets. Je pense que c'est à peu près ça. On va voir de toute façon en jeu. Et normalement, ça devrait être ça. Voilà. Tout est bon, je pense. Je vais prendre maintenant quelque chose qui s'appelle une manette et on va pouvoir commencer. Alors du coup, là, on est censé finir. Pour moi, on est censé finir. Et j'ai appris récemment, d'ailleurs, je vais déplacer le chat parce que je vois qu'il est un peu caché par ma capture d'écran. Voilà. Et donc du coup, j'ai appris qu'en fait, working from home, eh bien, c'était ça, le DLC. C'est le passage à la maison. Donc on peut changer de fringue. Donc par exemple, vu qu'on a alors la dragueuse, merci, hein, respecte-nous. On va rester en stagiaire ou contractuel. En contractuel, c'est pas mal, parce qu'on l'avait pas essayé la dernière fois. Et donc du coup, working from home, apparemment, c'est ça, c'est qu'on peut avoir accès à ça, le petit passage musical, le fait d'être à la maison, tout ça, tout ça. Mais du coup, le jeu reste le même. Donc le DLC, en fait, je l'avais déjà. Alors là, il n'y a personne qui veut me parler, c'est très bien. Ne me parlez pas, on va aller travailler tout de suite. Gratuitement pour vous. Bonjour quand même, Tapi, je t'aime bien. Tapi est quand même la meilleure expert comptable du monde. Et du coup, je crois qu'on était à Styx Point. Alors, on avait débloqué pas mal de choses. On va regarder. Donc, on a les cartes de Éclair, mais bon, je sais pas pourquoi on n'a pas les cartes des autres. Je pense que c'est parce qu'on n'a pas débloqué d'autres personnes. Logiquement, si, mais je sais pas pourquoi. Et donc, on avait gardé Perturbation, c'est beaucoup critique, et électrocute les ennemis. Je pense que c'est pas mal parce que ça les stun. On peut avoir un truc en vie de plus, oui, mais bon, est-ce que c'est vachement nécessaire? Quand vous prenez des dégâts, les ennemis proches tombent à l'envers, c'est pas mal aussi. On avait gardé Rancune pendant très longtemps, c'était pas mal. Donc là, ce qu'on a débloqué récemment, c'était ça. Alors, je vois que la caméra est un peu gênée par ma... Enfin, la caméra. La caméra gêne... Oh! J'ai disparu. Gêne un peu la base. Je vais mettre là comme ça on voit les deux ronds, les trois ronds, qui seront les objets que j'équiperai. Et donc du coup, je pense qu'on va être parti sur... Plus il y a de gens, non, c'est pas très intéressant. Des réponses choquantes, c'est pas mal. Ça c'est trop vénère, ça attaque. Il y aura des bombes en plus dans Styx Coin. Après ça c'est l'argent, c'est pas mal aussi. Revenez à la charge après une défaite. Ça c'est pas mal parce que ça pourrait me faire revenir d'entre les morts. On va garder ça. De toute façon il y a tellement de choses à faire. Faut qu'on remplisse. Ouais, bon, promener éclair. Ah oui, c'est ça qu'il faut faire, faut promener éclair. C'est dur. Je sais pas si on va finir le jeu à 100%, hein, je pense pas. Mais en tout cas. On est dans le monde des startups qui vendent du StixCoin, qui est donc du coup la monnaie favorite des startupeurs. Si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre ça, le cube de Félix, pourquoi pas. Le rocher, on s'en fiche. Est-ce qu'on promène le chien tout de suite, Nibbler, qu'est-ce que t'en penses? Parce que en fait, si on promène le chien, je sais pas ce qu'on va avoir comme déblocage. Mais il faut que je le fasse jusqu'à l'étage moins 3. Donc en fait, il faudrait que je puisse passer les deux premiers étages tranquillement. Après, ce qui est bien, c'est que dans celui-ci, c'est pas très compliqué. Voilà, tiens, on prend. Oh! Bah, faut que je m'y remette, hein. Ah oui, ah oui, bonjour! Ok, ça va au niveau des vies. On va casser un peu des trucs. On va miner. On mine. Voilà, on mine l'argent. Et on va prendre la pelle. Et oh la masse, trop bien. On prend la masse tout de suite. Et il y a des compétences tout de suite. Tu penses on revient après tout à l'heure pour. Ce serait bien de gagner ça là, pour avoir plus de vie. Il faut avoir 10 040, 10 400 points pour pouvoir faire ça. Je pense qu'on va attendre un peu. Il n'y a rien de très intéressant dans le coin. Peut-être ça. Il faut voir grand, mais de toute façon, on n'a pas l'argent. Peut-être à la fin du niveau.
Donc du coup, voilà. Alors attends, comment on fait déjà? Oui. Aïe. Faut que je fasse attention parce que j'ai vu que je faisais des bêtises déjà au début, donc on va faire attention. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Allez, on va prendre ça tout de suite. Ah non, mais attends, il y a un truc mieux. Comment qu'on saute? Ah oui. Deux applications à choisir. Alors du coup les applications ça nous permet de débloquer des. Vous avez déjà dû voir les premiers si vous êtes là. On va attendre que le feu se barre. Donc ça c'est un reverb. Je pense qu'on ne prend pas de coucou. Et ça c'est un upcycle. On va peut-être prendre le upcycle, c'est quoi? Échanger vos trucs contre de super trucs. Bah, vas-y. Ah d'accord, il a peut-être cherché celui-ci. Ok. Et ça je veux bien. Ok. Et on peut le faire encore une fois? Non. On va prendre le cubicle. L'internet des objets à votre service. Donc du coup, tout est plus ou moins... voilà. J'ai un peu peur que la masse est devenue de feu. Vous avez vu le petit... Oh oui! Et on va le finir. Hein. On va le finir, on a les doubles dégâts. Ah non, c'est électrique. Ok. On est bien. On attend un peu. Ah, il y a le chien, j'avais pas vu. Ah, je suis désarmé. Ah. Oulala, ça tombe mal. Vite. Vite. Voilà. C'était compliqué. Ah oui, non, mais je vais pas prendre cette masse-là parce qu'elle explose. On va prendre ça. J'aurais dû lancer ça. En fait, c'est à telle chercheuse. Quand il y a le logo Wi-Fi, c'est que c'est à telle chercheuse. Plus il y a de gens pressionnés, plus vous gagnez de fur. Bon, on va prendre le moyen de revenir dans le jeu. On l'a vu tout à l'heure. Là, c'est ça, d'accord. Donc, du coup, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et le rapporteur, il est pas mal. Matériel de mineur, c'est pour miner du Bitcoin. Oh. Ah mais je suis revenu. Là je suis revenu là. J'ai utilisé toutes mes vies là. Oh non. J'ai trop cliqué. La graffeuse c'est nul. Oh là là. Bon ça commence très très mal là, le début. Je trouve qu'on n'est pas au point. Y a rien d'intéressant. Il y a quand même une appli là. Pour un job bien fait, bah écoute, d'accord. Bah on verra ça tout à l'heure. Hein. On a 6000, peut-être qu'on va aller chercher un peu de tutune, de on va acheter des trucs. Excusez-moi, pardon? Bonjour? On va faire un retour. Que c'était là. On va convertir tout ça. La thune, 40 000. On va prendre la vie. Ouais, parce qu'on en a besoin. Parce que là, en fait, là, c'est le dernier. La dernière salle. Du coup, faut qu'on soit quand même un peu équipé en vie. Mais j'ai fait n'importe quoi là au début. Je me suis perdu. Force de regarder du GTA RP. T'es perdu. Hein. Parce que c'est pas du tout la même chose. Tomber dans le coma. Ah, on peut acheter des trucs. Non, ça, on va prendre ça. La fourche. Je crois que la fourche. Les photos, c'est bien aussi. Mais la fourche. Ah non, il y a la lasse de carreau. Ouais, on va prendre la fourche. Je pense. Comme ça, quand on sera en bas, au deuxième sous-sol, il y aura.
Ah, il y a des... Donc lui, il donne de la vie. Il prend un peu de lait, prend la protection. Dentaire. Ce n'est pas le cas. Voilà. Là, on se débrouille bien. Faut que je me débarrasse juste. Voilà. Mince. Mais il fait tout le temps le coup, j'ai failli mourir. Donc pardon pour la cam, là on voyait rien. Est-ce qu'on peut avoir le truc? Ouais merci. Ah, on peut balancer du fric. C'est mon argent? Non, c'est pas mon argent. Ok, quand vous prenez des dégâts, les ennemis proches tombent à la renverse. C'est intéressant, on va changer notre pioche pour ça. Non, faut qu'on se débarrasse de ça. Ah, mais c'est mon pote. Ah oui, d'accord. Ouais, on descend. Oui. La musique, elle est pas trop forte, là. C'est bon, vous entendez peut-être mieux le jeu que d'habitude, du coup. Je l'ai mis à donf. Peut-être que ma voix est un peu plus compliquée à entendre. Du coup, je vais peut-être baisser un petit peu. Alors, 2 minutes, hop, hop, on va faire 8, 9, 2, 2, 2, 2, 6, 2, 6, 2, 6. 6, on va faire 6. Voilà. Donc, c'est 5,9, mais c'est 2. Ah, c'est bon, c'était bon déjà, mais bon, j'ai eu un peu baissé le son, donc c'est pas grave. Oh non! Et voilà, j'ai pris forcément la bombe, j'en peux plus de ces histoires. Voilà. Alors la caméra était insupportable. J'ai fait que tourner, désolé. Mais... Ah, elle bouge toute seule, excusez-moi. Ah, tu veux bien arrêter de bouger? Je crois que j'ai cassé ma manette. Attendez, qu'est-ce qui se passe? C'est la manette. Ah non, c'est peut-être la souris. Oui, c'est sans doute la souris. Ok. Ah oui, il y a du feu qui se jette de la fourche, c'est bien. Ok. Oh, mais c'est quoi ce truc? J'avais oublié qu'il y avait eux là, ils sont super fans. J'ai mouru. Oulala, oulala. Mais ils sont... Pourquoi ils sont deux? Il y a du feu partout. Oh là là. Je vais revenir à la ville, hein, non? Non. Bah non, je l'ai déjà utilisé. Ah mais non, si, c'est bon. Bah, ils sont morts. Bon, la greffe, c'est nul. Marteau burineur. La fourche, c'est bien. Et les pioches, c'est bien. Donc on peut prendre ça. Je sais pas, en fait, il meurt quand je meurs, si j'ai bien compris. On va voir si on prend la malédiction. Vos amis riront les derniers. Bon, je vois pas l'intérêt, mais on est d'accord. Mais c'est un truc de foufou. Wouah, je suis choqué. J'y arrive pas à les éviter en ce moment. J'ai un petit décalage entre le moment où j'attaque. Détruit le syndicat de Joblin. Faut que je revienne et que je refasse Joblin. Il y a un deuxième syndicat. C'est compliqué. Toum, 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 toum. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas acheté. Bon, on achète, hein. On a la thune pour ça. Alors, Marais, qu'est-ce que tu dis, Marais? Ah. Ah. Qu'est-ce que tu penses de Marv? Alors, super, la caméra. On voit pas Jackie du tout à cause de ma caméra et à cause de la caméra du jeu que j'ai pas tourné avant. Quoi, j'aime vraiment pas ce gars. Il y a un truc que je déteste plus que les abus d'autorité non contrôlés, c'est les chauves. Bah c'est bien hein, si t'aimes pas les gens bizarres avec des cheveux qui n'ont pas. Mais c'est bizarre. Certains de mes streamers préférés sont chauves. J'ai pas compris. T'aimes pas les chauves ou t'aimes les chauves? Et quel est le rapport avec la chauvitude? La calvitie, tout ça?
j'ai du mal à saisir. C'est très très compliqué à comprendre. Bon, on va aller à Styx Coin. Et si on a fini Styx Coin, on fera les quêtes annexes dans les autres. Mais je pense que. On aura fini le jeu, quoi. J'espère. D'abord. Et du coup, le GDR Nibbler, c'est 18h30, c'est ça? Ou 17h? 18h, je crois. C'est toujours les mêmes bails. N'hésite pas à me répondre quand tu peux. On prend ça, hein. Tout ce dont vous n'avez jamais rêvé. On prend la thune ici, là. On mine à la main. Ça a pas l'air d'être très efficace. 18h30, ok. Pas très efficace. On peut faire. Il y a une capacité spéciale avec le. Ah mince, j'ai utilisé mon truc. Ah, j'ai du fiseau. Bon, apparemment, ça va me servir. Ah, j'ai cassé la bouteille. Je vais la faire à Dark Souls, l'en tourner autour, mais pas à ce point-là. Ouais, le troisième est dur. Ah putain. Ah, il y avait du feu. C'est sympa. 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 La chaise pliante, on va pas la prendre, mais ça a l'air d'être bien. La punaise. Prendre le marteau. Il y a d'autres trucs intéressants dans le coin? Non, je crois pas. Ah si, peut-être la pelle. En échange de cet ordinateur. Vous avez besoin de passer le temps. Enfin, voilà, on a besoin de passer le temps. Voilà. Et il y a la masse. Tout ce qu'on veut. On va aller voir les compétences. Oh, j'ai pris un point de vie ici, je suis choqué. J'ai un peu peur de prendre les bombes parce que je me sens pas du tout rassuré avec ça. J'ai de la thune. Mais je ne vais pas l'utiliser. 1900, c'est pas beaucoup. Il y a déjà le gros là. J'ai pas eu le temps? J'ai pas été doué? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est coupé tout seul? Ah, il y avait une. Ah! J'ai pas compris. Là, j'ai vraiment pas compris. C'est la deuxième fois que ça arrive, je crois. Et du coup, j'étais pas mort. Oh là là. Ah, je vais me débarrasser des chauves-souris là-bas. Un petit tour, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, c'est que j'ai juste fait le tour. La caméra, j'utilise bien en général. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, je sais que je peux prendre la carte de visite. Ça, apparemment, c'est aussi dans Working From Home que je peux demander à quelqu'un ensuite de m'aider à sa carte de visite. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Il faut voir grand ou on va prendre la vie. Même si c'est un réceptacle et que je n'ai pas de vie. Mais ce n'est pas grave.
compliqué. J'espère que ça va pas être un mineur comme ça à la fin. Oh là 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 là. Ok. Voilà. Et on va prendre un truc à la gigaforeuse. Je sais que ça sert pas à grand chose, mais bon, on peut l'avancer. Ça sert pas à grand chose non plus. Ok. Alors, plus il y a de gens à proximité, plus vous gagnez en force. Ok, ça peut être pas mal. Surtout qu'en plus, là, je vais pouvoir les flasher. Donc ça va faire un peu de stun et grâce à l'application. Et ensuite, je pourrai en utiliser le forage pour pouvoir finir le travail. C'est pas l'arme que je préfère, je précise. Moi, j'aime bien les trucs un peu à distance. Wow, non mais je suis bloqué. Merci. Change d'arme. Oui, 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 tout est bon. Alors, tout ce dos, vous n'avez jamais rêvé, bah, y a déjà une masse, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'il a donné? Un stylet. Je sais pas comment on utilise le stylet. C'est un peu comme une lance. J'ai l'impression. Bon, on va garder le stylet, on va voir ce que ça donne. J'ai jamais vraiment utilisé. Il y avait une deuxième masse. Attendez, je vais prendre... Non. Le balai! Le balai, il est bien. J'aime bien le balai. Et on retombe sur l'application avec la photo. On va pouvoir les stun de nouveau. Est-ce qu'on peut prendre de la vie? Parce qu'on a besoin de vie. C'est quoi? Il y a les hinches. On va convertir. Et on prend la protection, du coup. J'ai tellement plus de vie. Choqué. Choqué. Du coup, on va prendre ça. Hein. Oh, j'ai plus de vie. C'est dramatique. Ça, c'est de la vie, ça? Très bien. Mais c'est pas possible, pourquoi il prend pas de coups là? Je comprends pas. Voilà, c'est bien. Ah oui, c'est vrai que j'avais le moyen de le bloquer lui. Voilà. J'ai pas compris. Piquer du mail, bah, si tu veux, mais c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant tout ça. Alors qu'une bonne chaise, c'est déjà mieux. On va taper avec la chaise. Là, il y a du feu. Voilà, prends la chaise. Change d'arme. Oh là là. Alors là, j'ai pas compris. Il est mort avant que je tape ou je tapais et il est revécu. Je comprends plus rien à ce jeu. Faut un job bien fait. Oui, bon, ça c'est bien. On va appeler quelqu'un. En 5 combats, l'argent vous glacera le sang. Ça veut dire que grosso modo, je meurs pas pendant 5 combats. Parce que je gagne de la thune, mais je gagne plus de thune en fait. C'est ça l'histoire. Petite réduction dans toutes les boutiques, ça c'est pas mal. Bouger et attaquer plus vite. On va prendre la réduction. On va aller voir justement la... Ah oui, mais il n'y a plus de vie, je crois, là, dans ce qu'on appelle une boutique. J'arrive plus à parler. Il n'y a plus rien. Oh là là. J'aurais pas dû faire la conversion. J'ai rien gagné comme thune.
Pourquoi ma tutrice Tapi, elle m'aide pas à faire de la thune, là, je comprends pas. J'ai pris la bombe à la main, je suis choqué. Voilà, c'est pas mal. Là, c'était un coup critique en plus, la fin. Ouais, c'était bien. On a bien joué avec le peu de vie qu'on avait. C'est de la vie, donne-moi de la vie. Vous êtes invulnérable un peu plus longtemps. Super. Après chaque coup reçu. Donc là, je prends un coup, je meurs. Mais au moins, je serai invulnérable après. Ce qui veut dire que je vais mourir. Dommage. Ça va partir en vrai, ça aussi. Oh non, la bombe! Je l'avais pas vu tomber avec tout ce foutoir! J'ai fait griller un job witch, je sais même pas comment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'ai l'impression que notre compétence du début est pas très 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 bonne. Oh, c'est quoi ça? Beaucoup critique, charme les ennemis. Ah, c'est pas mal ça. Sacrifier un assez tac de cœur pour gagner 4 points d'armure. C'est pas mal. Ça fait un peu à la Isaac, ça, si vous connaissez le jeu. Stocker plus de données que vous ne pourrez jamais utiliser. Infliger des dégâts supplémentaires avec la pointe des lances. Oui, mais j'ai pas de lance, presque. Bon, surtout pas dans ce niveau. Les armes tirent plus vite et ont 2 fois plus de munitions. Ok. On peut rediscuter avec Marais. On va aller voir Marais. On va se mettre bien au niveau de la cam. Voilà. Quoi de neuf ça te tuerait de m'appeler par mon nom pour une fois? C'est plus fort que moi, désolé, baby. Ok, bon, casse-toi, Marais. T'es vraiment pas très cool. Donc, faire un job witch, hein, attendre, etc., etc. C'était attendre, je pense. Je pense que c'était attendre. On prend ça, vu qu'il n'y a que ça. Ça devient de pire en pire, la première salle. Oh là là. Je vais essayer de prendre le moins de vie possible. Voilà, hop. Voilà. Perd le moins de vie possible, hein. On joue que à distance. Voilà. Coup de tête. Ah non, j'ai la punaise là. Et on a Where is up. Mais non, la bombe, à chaque fois je l'oublie. Oh, en plus je l'entends, c'est ça le pire. Where is up qui nous permet de déboussoler, je pense. Mais j'ai jamais vraiment compris comment. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner bien. Je vois pas, c'est trop. La joue tranquille. Ah, la tête elle est à tête chercheuse, donc on va la prendre. On va aller voir les compétences et on va prendre les compétences. Je pense qu'on est bien. Ah non, mais ça c'est le. Non, on va pas aller tout de suite ici. Ça c'était la boutique. Ça c'est pareil. Peut-être que s'il y a des trucs au fond. On va aller voir ça. Ah oui, il y avait des trucs. Ah, il y a la masse. Très bien. Du coup, je vais remplacer la masse avec ça. Hop. Oh là là, mais c'est pas possible, putain. Comment j'arrive pas à esquiver, en fait. Il y a trop un temps d'attente après la main, j'ai l'impression. C'est très bien pour quand tu bouges pas trop, et quand tu bouges, et t'as besoin de bouger, c'est compliqué. C'est un truc fou. Oh là là! Je vais lancer la tête, hein.
Ah oui, c'est ça, c'est avec le temps, je peux pas. Oh. Au niveau du temps, je gagne très peu d'argent en fait. Bon, la tête qui s'amuse encore. Bon, amuse-toi bien la tête, hein. Et du coup, on a Jitter et le cube de Félix. Le cube de Félix, je ne sais pas trop à quoi il sert. À part de donner des coups. Besoin d'un coup de boost. Ben ça nous permet de monter nos critiques ou. On va prendre ça si jamais il y a plus de gens. J'ai vu qu'ici il y avait une salle que j'avais pas ouverte. Ah, ben c'est parce que je suis pas passé. Oh là là, il a attendu 15 ans! Le rapporteur, c'est bien. C'est plus mon style de jeu. Ah non, j'ai changé d'arme, mince, je vais pas lui faire ça. Voilà. C'était plus mon style de jeu, mais bon. La masse est bien. On va prendre ça pour la distance. Est-ce qu'il y a des trucs bien ici? Non, 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 et non. Donc on va repasser ici pour débloquer un peu la salle pour voir s'il y a des trucs, mais il n'y a rien. C'est juste pour pouvoir prendre des choses. Et là, on va peut-être utiliser le wagonnet. Hein. Ouais, c'est parti. On utilise le wagonnet. Oh là là, je suis tombé dessus. Oh, mais les bombes, les bombes. Oh, oh non, j'ai pris les bombes. Oh, je prends toutes les bombes. C'est bon. Oh là là. Je fais mourir. Je fais mourir. Salement. Oula, là, ça a explosé, non? Oui. Dur. Très, très bien. J'ai perdu tellement de vie là avec les bombes. Possibilité de relancer les ennemis en entrant dans une pièce. Ça, j'adore. J'adore parce qu'en fait, ça me permet d'avoir un avantage de time. Ça, j'aime bien. Il a regardé la. Bon, ça sert pas grand chose. Voilà, hop. Et qui s'approche. Chauve-souris. Oh là là. Je l'ai vu tout de suite, je suis sauté sur le balai. Hein. J'adore le balai, je crois. C'est bien, ça les stun pas mal en fait de lancer des trucs dans leur tête. Mais je perds de la vie. Aussi, de temps en temps. Voilà, hop, couper. Couper. Les vagues de la mer. Pour ce rêve. On peut pas prendre ça. On prend ça. Cette arme là, je l'aime pas du tout. C'est bien quand je suis vraiment au corps à corps. On va prendre ça. Ok. Ok, rancune, inflige temporairement, 2 fois plus de dégâts. C'est très bien. On va aller voir ce qu'il nous propose. J'ai plus de vie, c'est incroyable ce truc. Pendant les 2 prochains combats, les ennemis ne réagiront pas à vos attaques. Bah en fait, je veux pas du tout. Je veux bien qu'ils réagissent. Je sais pas en plus ce que ça me donne en échange. Donc je vais aller voir d'abord la boutique. Y a pas de vie. J'ai plus de vie. Je suis obligé de prendre ça. C'est compliqué la vie dans ce monde là. Ah oui, ça c'est l'arrivée. Peut-être qu'il faudrait que je prenne plus la torche, ça me permet de faire des dégâts de feu en plus. Oh là là, ça y est, c'est fini. Oh, les deux là. Le chien et je pense qu'il y a un problème. Il faut que je regarde mes compétences.
Au moins, on a déclenché Intimidation, c'est pas mal. Mais il faut que je regarde les compétences et que je choisisse une autre compétence parce qu'il y a un truc là qui me gêne. En plus, je crois que c'est que les critiques, les électricités, donc le coût de l'électricité, donc ça c'est pas mal, mais on achète pour acheter, hein. C'est nul. On discute plus avec plus personne, il n'y a plus de l'or. C'est fini. Alors peut-être que Tapi n'est pas la bonne personne. Est-ce que gagner plus d'argent? Bah si. Deux applis en même temps, c'est pas mal. Commencer avec la carte entreprise, ça ne marche pas vraiment. J'ai pas réussi à faire fonctionner. Voler un objet au hasard. Le tapis est toujours la meilleure. Hein. Faut que je choisisse la compétence. Non, c'est pas ça. C'est là. Alors, il nous faut quelque chose qui est offensif dès le début. Votre premier coup critique sur un ennemi vous donnera 1$. Bon. Bouger, attaquer plus vite. Oh, pardon. Je suppose que j'ai tué vos oreilles. Vous êtes invulnérable un peu plus longtemps après chaque coup reçu. Ça pourrait être pas mal, hein, mais on va essayer d'abord d'infliger des dégâts. J'ai un petit courant d'air au niveau des pieds. C'est pas cool. Allez, c'est parti. Du coup, si je balade le yinche, ça va m'embêter. C'est ça, c'est le seul truc, c'est que ça m'embête. Pourquoi il y a le feu? Ils ont tapé quoi là pour qu'il y ait le feu? Ah bah si tu meurs tout seul, moi ça me donne. Ah mais il meurt vite avec le feu, dis donc! Monsieur, vous allez mourir, je crois. Oh non. Là, il y avait combien de chances que je frappe ce truc là? Sérieusement. Bon, ils mettent pas du tout le chien là, éclair. On va aller rentrer ici pour faire genre on rentre et on ressort tout de suite. Viens le chien-chien! Ah bah tiens. Ah, ça va se voir tout de suite. Voilà. En fait, s'il y a une bombe, je suis vraiment pas bien placé quoi. Moi, je veux pas te voir en fait. Oh là 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 là, le coup, le satané coup. C'est pas mal. Bon, ça explose tout, mais c'était pas mal. Je sais pas si ça fait des dégâts ce truc, mais. On mine un peu. Il y a d'autres endroits où miner, non. Ok. Viens éclair. On se balade éclair. Alors, vous portez les armes à deux mains d'une seule main. Ça c'est très bien. On va essayer de voir ce que ça donne avec la masse si on la trouve. Par exemple, si je fais ça, là, je prends l'échelle. Je la tiens d'une seule main. On va essayer l'échelle. On va essayer l'échelle, on va voir ce que ça donne. Oh, le coup. Le coup. Ah, j'ai déjà cassé mon arme. On va se soigner tout de suite. Ah, en faisant du yoga. Avec éclair. Oui. Bien éclair, on continue. Je sais pas pourquoi je me suis mis un handicap avec éclair en plus, hein, mais bon. Il y a une pioche là. Il y a une masse. Ah, une masse d'os. Oui, bon, c'est pas très intéressant. Il y a ça. On pourrait s'amuser avec ça.
On va faire ça. On va prendre ça et on va faire des dégâts de proximité. Je vais lui lancer dans la tête. Aïe aïe aïe. Mais je te permets pas en fait. J'ai rien gagné. J'ai rien gagné. Du tout. Je suis deg. Mais non, mais pas en haut. Comment je fais? Ah bah si, c'est bon, ça marche. Viens avec Claire, on continue. Bon, si j'attends un peu, peut-être que je vais avoir de la... Ouais, pour l'instant ça va. Le truc c'est que pour les sticks coins, c'est compliqué de gérer deux monnaies en même temps. Là, t'as tellement besoin de vie à un moment que... Hop, on l'a lancé. Non, c'est fait. Ça, on peut la lancer aussi. Hop, lance. Voilà. Non, on a lancé les deux trucs qui étaient à tête chercheuse, puisque comme ça, on c'est efficace. Avec éclair, ça me permet de pas trop m'avancer. Tu peux avancer, éclair, ou bien bon, on va faire ça. Hein. On va attendre qu'il passe, parce que je sais pas ce que c'est exactement ce truc-là. Ah, il y a de l'application. Et voilà, on a un autre ami en plus qui va nous permettre de rester à distance. Éclair, s'il te plaît, tu peux avancer, merci. Au moins, on aura fait cette galère-là. Ouh là là, il y a eu un petit problème avec Éclair. Ouh là là, c'est un peu tendu l'histoire des bombes, là. Ah si, ma pelle elle est toujours là. On va garder la pelle. Peut-être chercheux, c'est toujours bien. Hop. En fait, le truc c'est que là, il va falloir. Vu que je suis obligé de rester dans une zone à cause des éclairs, vous avez dû remarquer que grosso modo, ça laisse mes tirs. Mais le problème c'est que ça reste en rond et il bouge très peu. Donc du coup, elle bouge très peu, d'ailleurs, je sais pas exactement. Mais le truc, c'est que il faut absolument que je puisse me débarrasser des gens sans... Oui, éclair. Bah si, t'es là. Ah non, j'ai cassé ma... Oh... Trop dommage. Ah, je peux pas bouger beaucoup. J'ai gagné de la thune. Ah bah c'est bien. Je récupère une pelle. J'ai perdu ma masse. Et ça c'était ma pelle tête chercheuse ou pas? Non, pas du tout. Vous repoussez. Oui, ça c'est bien. Et ça c'est encore mieux. Donc persévérance, ça nous permet de revenir. Hein. On a vu tout à l'heure. On va ouvrir ça. Il y a de la protection, on prend la protection, parce que la gigafour, c'est nul. Pendant les trois prochains ennemis sont en pleine forme. Très bien. Est-ce que ça change de quelque chose? De d'habitude, je sais pas. Ah oui, il donne de la protection, je sais. Passe-toi avec ta protection. Pourquoi je fais ça? Voilà, c'est mieux comme ça. Et ça, je peux faire flamber ça. Est-ce qu'il y a du feu ici? Oui. On est d'accord que j'ai toujours cette demande de faire flamber un Job Witch, sachant que j'ai besoin de vie. Faire griller, oui. Purée, c'est pas possible. Voilà, j'ai fait griller.
peux le manger maintenant. Ah. Je peux l'utiliser en tant qu'arme, mais rien, c'est rien d'autre. Eh bien, écoute, on va l'utiliser en tant qu'arme, maintenant. Je me suis un peu brûlé gratuitement, mais... Oh, il est dur avec l'air. Ouh là là. On va lancer le job witch, hein, il m'énerve. Oh, pas lui. S'il te plaît, pas lui, pas lui, pas maintenant. Oh là 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 là. Le bon, le bon, le bon. Merci. Merci pour le coup. Une chaise. Non! Oui, peut-être. Ouais, et au niveau des vies, c'est compliqué. Hein. Du coup, est-ce qu'on a déjà visité... Non, ça devrait être là. Là, là. Mais c'est quoi cette salle? Donc on, lui, on va la tirer. Et du coup, je crois que c'est en face. Viens, éclair, s'il te plaît. Allez, allez. Il nous faut de la vie. Et du coup, on a de la vie. Ok. Styx Bar, si je paye, on va convertir. Oui, de la vie. Et le truc... Ah, mais il y a un autre truc de compétence après. Excusez-moi, bonjour, au revoir. Ah, j'ai des gros bras. J'avais oublié que j'avais pas vu que j'avais des gros bras. Est-ce qu'il y a des trucs au fond? J'ai pas l'impression. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Alors, ce serait bien d'avoir de la vie. Le style, on s'en fiche, mais on va pas... Ah ouais, mais la vie, on peut pas la commander. Ah! L'arbalète était pas mal, mais c'est compliqué à utiliser aussi. Allez. On peut parler avec vous, monsieur? Bonjour. Comment est le cours du Styx en ce moment? Catastrophique. Oh, désolé. Non, c'est bien. Quand les cours sont bas, c'est le moment idéal d'acheter plus de Styx. Quoi. Et si sa valeur ne remonte jamais? Ça remonte toujours, les fluctuations, c'est le propre du marché, madame. C'est ce que dit Pierrot le Tulle dans son podcast. Ah là 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 là. True to life. Donc ça, c'est une référence à 100. On en avait parlé la semaine dernière. Il y a des persos louches dont je devrais me méfier par ici? À part le mec bizarre à ma gauche, tu veux dire? Oui, à part lui. Louche, je ne sais pas, mais tu croises Pyrotule, explose-lui un ou deux os pour moi. Ce mec est le pire escroc que je connaisse. À cause de lui, on a dilapidé toutes nos économies dans des Styx, mes amis et moi. Et pourtant, il y a toujours un nombre incalculable de morts vivants qui le suivent comme si c'était le Messie. Eh bah écoute, c'est ce qu'on vise, hein, t'inquiète pas. On vise la fin du niveau. Là. On va faire exploser ça tout de suite parce que j'ai envie de l'avoir pendant qu'on... Voilà. Le feu aussi. Voilà. C'est tellement plus efficace qu'en compétence, c'est incroyable. La compétence que j'ai prise du début là, double damage, c'est magnifique. J'ai réussi à taper le drone là. Et voilà, super. En plus, on peut électrocuter, donc on a un double de ce que j'utilise en général, c'est bien. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, sur le côté, hein. Sur ma gauche. Sur ma gauche, il y a tout. Oh, il y a le balai. Ah non, j'ai pas pris le balai, oh là là. Ah, le balai. Mais non, mais ça c'est le feu, ça. Lançons le feu. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai flambé la table, je voulais pas du tout. Voilà, comme ça c'est fait. Je crois que j'ai cassé la pelle. Ah, mais du coup, on a réussi à avoir... il est où, là, notre yinche? C'est bon, là? C'est validé? Oui, on l'a fait.
Bon, pour éclair, c'est bon. Ouh là là, la caméra. Merci, pardon. Je l'ai fait à la main, mais c'est pas grave. Attends, j'ai cru voir qu'il y avait une pelle ici. Ah, elle a disparu. Oh là là. Allons chercher les compétences. Alors, faut être stratégique. Double crosse de hockey, c'est pas mal ça. Le doigt, la vie. Est-ce que je peux payer deux fois là? Oui. On veut la vie, on veut la double crosse. On va voir ce que ça donne la double crosse. Mais je pense que ça peut être pas mal pour le prochain niveau. 3 à 5 combats, donc ça veut dire que... Pas seulement le temps. Donc, 1. Un coup là. Oh non, il y a lui. Oh là là. Pourquoi j'ai plus de vie? Pourquoi j'ai plus rien dans les mains? Oh là là, ça part en vrille. Your order has been delivered. Il y a le feu, mais bon, vas-y. Écoute, on prendra l'application après. Hein. Matériel de mineur, mais on s'en fiche de ça. Oh non, il y a le Tekos. Il va mettre dans le noir. C'est bon là. Il a boosté. Il a boosté la protection d'une chauve-souris. C'est vachement nul. La vie là. Oh là là. Notre pauvre vie. Chercher la compétence d'abord. Les gros progrès deviennent. Les gros projets deviennent plus gros. Une réponse choquante en cas de dégâts. Bon, vas-y, on prend ça. Ouais, on va essayer de le faire. J'ai plus rien dans les mains. Je vois pas comment il me touche lui, de toute façon, donc pas trop de problème. J'ai une vie, j'ai du job witch, c'est très très bien. Ah, il a réussi à me hacker jusqu'au bout là. Genre, je peux plus rien faire. J'ai le balai, c'est très bien. On est équipé. Il y a la double cross, c'est très très bien. Je veux la double cross, voilà. Le balai, la double cross. Très très bien. Alors, on va aller dans la petite salle là, on va voir ce qu'il y a. Il y a plus rien. Punaise. Écran. C'est normal là que je vois rien. Il a réussi à me hacker ma visibilité là. On est sérieux dans cette histoire? Attends, c'est où le monde là? C'est où la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas allé en bas là. J'ai vu. Il est où le shop? Je trouve pas le shop. Où est le shop? En bas? Non, il était bah, juste sans doute après. Non, il peut être juste là en fait. Je sais même plus si on est passé devant. Non, c'était un truc de compétence ça. On a besoin de vie, s'il vous plaît. On a payé déjà pour ça, mais peut-être que ce serait bien de repayer. Ça c'est quoi déjà? Quand vous aurez besoin de passer le temps. Ça c'est pas mal pour éviter, on va payer ça. Et on va du coup voir si on peut récupérer de la... Ça me permet d'aller plus vite. C'est ça, ouais. Ça me permet juste d'aller plus vite, c'est pas très intéressant. On a un temps, ça me speed. Est-ce que c'est le shop ici? Bonjour. Non. Ça va trop vite, elle. Eh. La double cross, elle est vénère. Double cross là, c'est sérieux dans cette histoire. Je suis allé tellement vite là que j'ai perdu ma double cross. Elle est où? Oh là là. Le
drame. En plus, le prochain, c'est clairement... C'est quoi, ça? Enflamme parfois les ennemis que vous visez. J'ai rien du tout pour pouvoir payer tout ça. Ah, si je convertis, ça fait 34. Oui, très bien. Tu es ma meilleure cliente. La plupart des mineurs viennent ici pour regarder et s'en vont sans dire un mot. Mais toi, non seulement tu l'achètes presque à chaque fois, mais en plus, on dirait que tu veux parler avec moi. Normal, vous avez plus de conversations qu'avec à peu près n'importe qui est dans le coin. Et ça inclut le type là-bas à l'autre comptoir. Ah ouais, ce type est un vrai loser, ouais. Bref, tu devrais prendre ma carte. Appelle-moi et je pourrais te trouver des trucs personnalisés. C'est toutes couleurs de Six Coin, mais on peut sûrement détourner le gros S. Par exemple, stagiaire qui déchire. Ou quelque chose dans le genre, on verra. Oh, merci. J'ai la carte de Zans. Et du coup, la carte de Zans, elle fait quoi? Analyse des tendances. Autrefois un grand influenceur de mode, Zans utilise aujourd'hui son image pour vendre des articles aux couleurs de Stix Coin. Certains disent qu'il ne s'est jamais intéressé à la crypto-monnaie et qu'il ne fait que ça pour gagner en popularité, mais ils ne le connaissent pas comme moi je le connais. Ouais, très intéressant. Yo, tu as entendu le dernier épisode de Pierrot Tulle, le podcast que vous écoutez? Je veux... Tout le monde l'écoute ici. Pierrot Tulle est un économiste de génie. Il dit d'acheter, j'achète. Il dit de vendre, je vends. Seuls les électrons libres prospèrent sur ce marché. Donc moi, je suis tous les conseils des électrons libres. C'est tellement ça. Alors le système des électrons libres, c'est genre de dire oui, on y arrive tout seul, il n'y a pas de problème, faut choisir comme un peu. Voilà. Et du coup, le mec choisit de suivre quelqu'un qui dit justement faut choisir au pif, je suppose. Faut choisir ce que je choisis. Ce que clairement, à mon avis, il ne choisit pas un Pierrot Tulle. C'est-à-dire qu'il choisit pas la même chose, quoi. Alors là, qui va y avoir? Lui, il faut l'avoir tout de suite. Oh là là, mais il me poursuit en plus. Mais tiens. Et lui là. Donne-moi quelque chose de bien, s'il te plaît. C'est quoi ça? Chance de critique plus grande lorsque vous ne visez pas. Je vise très peu, donc c'est très bien. Je pense que c'est un bug. La lumière, ça m'aide pas du tout, mais ok. On est au dernier étage. Donc là, normalement, si tout se passe bien, je dis bien si tout se passe bien, on bat le boss. C'est-à-dire qu'il nous faut de la vie. Chose qu'on ne pouvons pas acquérir. Bon, on va reparler avec son... Les sticks sont valables pour tout un tas de trucs. Tu peux acheter des voitures avec, des voitures. Rien de tout ça n'arrive à me convaincre que c'est mieux que de l'argent. Normal. Pas faux. L'argent normal, comme tu dis, est facile à contrefaire. Chaque transaction sticks est authentifiée par la blockchain. Aucune falsification possible. Intéressant. Comment ça marche, cette blockchain? C'est une grande chaîne constituée de blocs. Les blocs sont des données, et les données, c'est ton argent. C'est à peu près pas du tout ça. Et j'hésite à prendre le feu, mais je vais me retrouver dans le caca, je pense. On va prendre le feu quand même. Ah oui, mais c'est vrai, j'avais essayé déjà de le battre. J'avais réussi la première fois. Et lui, il fait des dégâts de... Ah, il se déplace très vite, de ce que je me rappelle. Bon, on va voir si le feu, ça suffit. Et voilà, du coup, je suis dans le feu. Oh là là, le dégât de... Ouh là là! Faut que je lui lance les trucs. Ah! J'avais oublié qu'il appelait ses potes. Purée, mais y'a rien qui tient dans ce monde. Ça tient
rien du tout, il n'y a rien qui se passe là. C'est qui lui? Pourquoi il fait rien lui aussi? Ah, il y a une lance magmatique. Voilà, c'est bon quoi. Ok, reviens. Oh non! Ah oui, si, j'avais le truc. Oh là là, mais c'est pas possible! Oh, c'est un truc fou. Déjà qu'on voit rien. Il a trop de points de vie, faut que je sois bien équipé, je sais pas exactement ce qui lui fait du mal, donc c'est un peu compliqué. J'ai un nouveau tuteur augmenté, bon c'est bien, écoute, je sais pas quoi il sert. Je suis content. Bien, je mange un peu tout ce que je trouve dans les donjons, ce n'est pas raisonnable Jacqueline. Il te faut du solide dans le ventre au plus vite. Solide, ce n'est pas le concept de base. Et je crois qu'ils sont trompés dans les dialogues. Ce n'est pas le concept de base de Fizzle d'être un substitut de repas. Je pensais que tu... En fait, je comprends pas la discussion. Je pensais que tu serais à fond là-dessus. Oui, enfin, Fizzle peut remplacer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, mais ça ne va pas forcément dire chaque petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ok. Avi a une certaine propension aux stratégies commerciales un peu excessives. N'ayez crainte, genre demoiselle, Fernard... Bah vous concocter le petit panier repas du bonheur dont il a le secret. Waouh, vraiment un repas gratuit pour moi? Absolument, on va te remettre sur pied en rien de temps, la faim n'a pas sa place dans mon bureau, dans mes bureaux. Donc là, il y a un gros problème de discussion. Je ne sais pas quoi dire, Ferme. J'ai tellement la dalle, merci vraiment. Jacqueline, tu veux bien venir ici par ici une seconde? Ouais, il y a un problème de dialogue. Augmentation via une borne des employés. Quand vous équipez Ferme, il vous prépare un repas à emporter dans le donjon. C'est très bien, on peut avoir de la vie. Les armes tirent plus vite et font deux fois plus... Bon, on va prendre la critique. Et stocker plus de données que vous ne pourrez jamais en utiliser. Ça, c'est pas mal. Mais plus tard. Donc, on va parler à Ferme, parce qu'on a débloqué son truc. C'est Joblin, il te balance des canettes de café de temps en temps, non? Oui. Et ce café, est-ce qu'il est naturellement gazeux? Ouais, ça explose comme des canettes de Fizzol, ça pose un problème. Je le savais, ces escrocs, ces sales monstres voleurs de propriété intellectuelle. Tu dois les détruire pour moi, Jacqueline. Élimine-les avec ces mêmes produits qu'ils m'ont volés. Fais en sorte que leur mort soit poétique et douloureuse. Je ne pense pas que Fizzol ait des droits exclusifs sur des boissons gazeuses. Il s'agit de faire passer un message, Jacqueline. Je ne tolérerai aucun imitateur. Tue-les, détruis-les, anéantis-les. C'est sympa, merci, Ça se voit que c'est pas toi qui est en bas, hein. Vous voulez plus discuter avec moi? Ah si. J'ai débloqué éclair, donc normalement ça passe. Excusez-moi, bonjour. Donc c'est ma deuxième préférée, hein, c'est Marv. Je peux vous parler, Marv? Attends, la distanciation sociale peut-être. Voilà. C'est de pire en pire, la batterie des nouveaux smartphones. Tu les perds de vue une seconde et ils se sont déchargés. Je te comprends tellement, des fois je me dis que je ferais presque mieux de les balancer à la tête des monstres quand ils sont foutus. Eh, mais c'est pas une mauvaise idée ça. Bas des ennemis avec des téléphones explosés. Ok, ben on va voir. Est-ce qu'on a des téléphones déjà? Je ne crois pas. On garde la même, hein. On a réussi à avancer plus loin avec le double dégâts. Bon, je vais prendre un peu d'eau. Ouais, faut que je prenne un peu d'eau. Petite dos, petite pause eau. N'importe quoi. Je vais tomber. Bon, c'est bon. À cause du clavier, c'est pas possible si ça. J'aime bien son style comme ça. Mais on attend qu'ils arrivent. Hein. C'est cette arme qui se casse vite, là, c'est pas possible en fait. Choqué déçu.
Mais en fait, j'ai du mal à comprendre quel est leur sens d'attaque à des moments, c'est compliqué. Ok. Voilà. Ok. Et voilà. Et j'ai plus d'armes. Et j'ai du mal à comprendre, c'est 3 ou 4, je sais jamais. Pour le cassage d'armes, donc du coup, je fais un peu au pif. Ça, c'était pas trop un problème, ça. Ouais, je l'ai tapé. Après qu'il m'ait tapé, j'en peux plus de lui. J'aime bien cet effet de distance que ça met l'échelle, c'est bien. Mais c'est un peu difficile à déplacer. Vitesse d'attaque augmentée, bah c'est tout là. Oh le feu, le feu! J'en peux plus du feu, il me fait toujours brûler gratuitement en plus. Compétence. Alors, il faut voir grand ou se faire petit. On va faire ça, sacrifier. Comme ça nous fait de la protection. Oui, c'est pas mal ça en fait. Ça c'est pas mal ça. Et ça c'est quoi déjà? C'est cubicule. On va prendre. C'est dommage qu'on l'ait qu'une fois du coup. J'aurais pu l'utiliser là. Alors attends, je vais prendre la delivery. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'ai encore foiré. J'y arrive pas, hein. Quand ils sont là, j'y arrive pas. Thank you for your business. Compétences. Je ne vais rien acheter. Pas tout de suite, en tout cas. Après, il y a le truc de fric. On va essayer ce que ça donne. Le pisto fric. Il a cassé mon truc. C'était une bombe. Vas-y, c'est bon. J'en peux plus de leur blague. Qu'est-ce qu'il est spécial le truc là-haut? Il a l'air de clignoter. Il y a des trucs à lancer là? Bon, on verra. En tout cas, il y a des. Oh, ça me fait gagner de la thune? Bête de fou avec sa vie, lui, à donner des points de. Deux fois. Prendre ça. Big Daddy. Est-ce que c'est le même truc que. Ça me fait de la protection en plus. Je sais pas exactement pourquoi. Qu'est-ce que c'est. Ah, peut-être qu'il est peut-être plus protégé. Il casse moins. Je sais pas. Big Daddy, j'espère que c'est. Vu qu'il est le logo de Stick, je sais pas exactement ce que ça fait. Mais si ça appelle les mechas, moi ça me va. Je suis très pour. Tum, 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 tum. Y a pas un truc à tête chercheuse là pour m'aider, non? J'ai plus de vie, j'ai plus rien. Ah, y a le balai.
c'est ça. Voilà, bon, merci. Delivery for Jacqueline. Pour un job bien fait, donc ça va être un pote à nous. C'est bon, on a déjà fini là. C'est tout. J'ai appelé un mec pour rien. Bon, viens. Oh là là, c'est compliqué là, on doit traverser. Chance de critique. Lorsque vous ne visez pas. On va prendre ça, on va voir ce que ça donne. Comme ça, au moins, ça sera fait. Ah, j'ai cru voir que c'était à tête chercheuse, ça. On prend. Là, il y a les compétences ou le shop. C'est le shop. Je peux acheter la barre ? Si, je voulais de la vie. Là, il y a le mec qui va me vendre sa malédiction. Ça peut peut-être aider. Pendant les 3 prochains... Vos yeux vous trahiront. Vas-y, je veux voir ce que ça donne. Attends, par contre, il y a des trucs là-bas. Mallette. Alors, on va voir si ça nous trahit. Du coup, je vais suivre juste mon pote. Hein. Ah oui, d'accord. C'est ça. Bon, c'est pas mal. La malédiction peut me servir. Hein. Si c'est juste de rien voir, ça me dérange pas. Surtout que j'ai eu l'air d'avoir des bons avantages au niveau de la vie. Et Joblin, t'es plus là ? Ah, pardon. Ah, la malédiction des œillères ont été enlevées. Bah, c'est très bien. Si c'était juste pour ça, c'est très bien. J'ai perdu beaucoup de vie, mais... En fait, c'est ça que je vais voir si je peux récupérer... Non, mais je crois qu'il n'y avait pas d'autres vies dans le truc en prêt, dans le shop. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là. Tu veux me parler sans? C'est quoi ça? Moi je veux bien trouver plus d'appli. Hein. Ça me dérange pas. Oh, il y avait 7800 de en sticks coin. Tiens, c'est toi qui veux me parler. Okay. J'aimerais vraiment qu'un exterminateur puisse venir pour ces foutues chauves-souris. C'est mignon pourtant, mais pas vraiment. Pas celle-là. Ce sont des monstres assoiffés de sticks qui vont bouffer toutes tes pièces qui tombent si tu ne fais pas gaffe. Pense bien à les ramasser, sinon elles vont te siphonner comme du petit lait. Ah, c'est elle qui me pique mes thunes! Depuis tout à l'heure, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je crois que je préfère la peine. Il y a les bugs sur les marteaux. Bon, venez. Je suis choqué. Kit main libre bientôt débloqué. Bon. Je pensais que ça allait être facile de finir, mais non, pas du tout. Non. Non. J'attends ça. Ok. Et plus personne qui veut me parler en plus. Oh là là. Bon, garde tapis. Tapis, elle fait quoi déjà? Ah oui, si, c'est de la thune qu'elle me donne. Et du coup, pour tapis, il faudrait que je débloque quoi, là, pour pouvoir qu'elle me... Échanger des 600 contre 60$ en une seule fois. Ah ouais. En fait, il faut que je garde beaucoup, et que j'échange au dernier moment. Ce qui veut dire que, potentiellement, il faut que je meure. Ou que j'essaye de faire en sorte de pas mourir. Donc, prendre mon temps.
On va essayer de faire ça. En fait, en vrai, quand on réfléchit avec Éclair, j'ai réussi à aller jusqu'au boss. Faut juste que je fasse plus attention, que j'arrête de foncer dans le tas. C'est bon. Du coup, en fait, ça c'est pas mal si je le lance. Donc on va le lancer. Voilà. Et voilà. De faire toucher, donc on va essayer de garder notre petite habitude de faire ça, de lancer plus qu'autre chose. Alors Yeet, c'est la seule chose qu'elle est Yeet. Alors je sais pas du tout ce que c'est, mais ça a l'air bien. Je sais pas exactement ce que c'est du coup pour l'instant, on n'a toujours pas vu. Est-ce que je prends une torche? Non, je vais aller voir les compétences d'abord. Ah oui, c'est vrai. Alors là, faut pas que j'utilise ma thune du coup. Ok. Là, faut pas que j'utilise ma thune aussi, mais du coup, je pourrais faire ça. Y a rien là. Y a rien. Bon, non. Là, il y a quoi dedans? Il y a rien au milieu. Ok, je regarde un peu hein, parce que. En fait, on va lancer des trucs là. On va lancer ça à la prochaine. Voilà, ça, c'est un très bon début. Ouh là 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 là. J'ai rien gagné, mais j'ai survécu. Package delivered. Returning to base. L'ordinateur, ça m'intéresse pas du tout. Le cube de Phoenix, je vois pas trop ce qu'il fait comme attaque. On va prendre la marque. Y a pas un pic là dans le coin aussi? Non. Marteau Brimmer. Est-ce que ça suffit pour pouvoir miner ça? Oui. Alors, je sais plus à combien est le taux de. Du Styx, mais le problème c'est qu'il est très volatile. Donc là je suis à 5800, ça fait 24, il me faut encore, faut que j'arrive à 10 000 les quelques. Plus même, 15 000. Il n'y a pas des trucs à tête chercheuse là, donc pas du tout. Ça je peux même pas prendre. Okay. Ok, et ça il faut pas que je claque. Ok, pack pack. On va commencer par l'appel. Ah, il y en a une qui est à tête chercheuse, on va l'utiliser. S'occuper des chauves-souris. Voilà. Bon, là, on est en sauvegarde de vie, mais c'est bien. On fait le travail. Peut-être qu'il faudrait que je convertisse ma thune en. Ah, mais je peux pas convertir ma thune en stick, je crois. Faut que je mine. Faut que je garde mes sticks, c'est compliqué. Du coup, je peux que payer avec la thune du jeu. Et donc, du coup, pas en sticks coin. Alors, est-ce qu'il y a un truc à tête chercheuse? Non. Écran vertical? Non.
Bon, c'est parti. Oh, y'a chien, y'a hinche. Ah, et le feu. Bon, déjà, tu vas te calmer tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Est-ce qu'il y a encore un truc qui fait des flammes dans le coin? J'ai pas l'impression. Lui il va m'embêter. J'attends qu'il arrive. Mais il est insupportable! Ah, quand il est libéré, c'est compliqué, hein! Wouah! Mais non, mais. Dis-le! Lui! Ah, fallait juste l'écraser avec. Ah, c'est super triste. J'ai perdu tellement de points de vie. Wouah! Le chien m'a surtué! Incroyable! Alors, du coup, recevoir un réceptacle, non? Ouais, bah ouais. Oh, il m'a surtué. Alors, du coup, faut que je m'équipe. Matériel de mineur. Ça, on va prendre la pioche, oui. Mais j'ai pas, j'avais d'autres armes, en fait. J'ai pas checké, mais du tout. Vos ennemis sont en pleine forme. Mais en fait, ça change de quelque chose, ça, monsieur l'entrepreneur. Bien le bonsoir, Miss. Tu veux d'autres malédictions? Je crois bien que oui, elles ne durent pas longtemps et je récupère des trucs super utiles avec. Oui, c'est ça. Là, tu commences à penser comme un entrepreneur. La douleur à court terme m'amène toujours à des profits à long terme, mon enfant. N'oublie jamais ça. J'ai déjà entendu de ça quelque part. Voilà. Ouais, ça fait de la vie. Ça fait de la vie et j'ai un. Ok. Des fragments de beauté éphémère. Caméra. On va pouvoir bloquer les gens. À la main. Tout à fait. Voilà, brûle. Ah, c'est vrai que je pouvais. La distraction, c'est pas mal aussi, mais pour l'instant, ça va. Ça, on va prendre une chaise et on va lancer les chaises. On va lancer les chaises dans la tête des gens. Voilà, bien sûr, reste là. Ok, malédiction levée. On est à 9000. J'ai pas vu le shop encore. Donc, du coup, normalement, le shop il devrait être après. Et j'ai moyen de stun les gens. On va prendre ça pour pouvoir les foutre en feu sur le chemin. Voilà, comme ça c'est fait. Alors, reste là. Reste là. C'est pas possible, c'est ça. Mais non! Je peux miner quelque chose ici? Non. Est-ce qu'il y a des... J'ai 10 000, est-ce que je peux faire 60? Non! Je peux payer le truc à fric, mais c'est tout. C'est quoi ça? Votre premier coup critique sur un ennemi vous donnera 1$. Oh là là. C'est tentant, mais non. Là, il y a un truc. C'était quoi qui a ouvert? Ah, c'est le Where is Up. Mais je sais pas quoi est ça. Je suppose que c'est un truc de carte que je vois pas à chaque fois. Il y a un masque. Ah, ah. On va lancer ça. Ah, mais il y a un téléphone, bah voilà. Oh, je vais mourir ici. Voilà, c'était sûr. C'était sûr. Bon, on avance tranquillement, mais on avance... Je sais pas à quoi sert le hit. Compliqué.
Ah, je peux avoir la compétence fortifiant du coup maintenant. Ok. Bon, il y a des gens qui veulent me parler ou c'est juste c'est fini? Ok. Ok. Et du coup, j'ai débloqué fortifiant d'après ce que j'ai compris. Si vous mangez, votre force augmente pendant un instant. Ouais. Ouais. On va aller débloquer nos 60$, hein, parce que je sais pas si on a gardé les sticks soins, hein, si on meurt. C'était pas loin, hein. On était pas loin. En tout cas, l'utilisation des trucs pour les lancer, c'est pas mal. Début, pas de vie perdue pour l'instant, ça. Ok, donc là il y a des boîtes, on s'en fiche. Hop, on regarde ici les compétences. Donc là j'ai pas gardé mes thunes, ça me paraît logique aussi. Ok, ah oui, non, mais ça c'était tout à tête chercheuse, hein, c'était bien ça. Triste. Bon, c'est pas grave, j'ai un truc à tête chercheuse. Perdu, j'ai tout lancé. Je pense qu'il faut jouer un peu comme ça. Non, on va regarder ça. Ok. Non, pas par là, on va aller là. Non, là d'abord. 1800. Alors le chien il m'aide à trouver des trucs bien, mais on veut ça. Ok. Non. De toute façon, faut que je garde ma thune, donc là, le stick soin, on le garde. Donc là, il y a un problème, on va avoir un problème. Enfin, on peut garder ça pour vous. Hop. Ouh là 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 là, ouh là 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 là. J'ai un peu survécu, mais ça. Ok, du feu. Très bien. On joue le let's play feu. C'est pas grave. On était pas avec eux. Ici, non, 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 le FQ de FX, non, non, oui, peut-être. Ça pourrait être pas mal. Ah, il y a le cubicule là. Parce que Where is Up, je sais pas comment, à quoi ça me sert, donc du coup, on va lancer ça. Balancer dans le feu. Ma thune tout seul et rien. Rien. Bon, on va prendre la bombe. Parce que c'est la fin. La bombe, le feu, l'appel. C'est très bien. Prenez la bombe. Prenez le feu. Prenez le feu. Hop. Maintenant, on se casse.
Bon. Très bien. Thank you for your business. Le feu du coup. On prend le feu. Il y a un deuxième feu là. On prend le feu. Non, le feu. Ah, merci. Et en plus j'ai les matchs de... Ça se passe là, Startup War? Bah un peu ouais. Je t'avoue que là, c'est un peu compliqué. En fait, là, je suis obligé de garder 60... Enfin, faut que je fasse 60 bitcoins. Enfin, sticks coins. Avec le peu d'argent que j'ai. Sachant que je gagne très peu d'argent. Hein, et du coup, j'essaye d'utiliser les nouvelles armes qui sont du monde. Qui sont principalement le feu. Qui a l'air de bien se débarrasser des gens. Et les bombes. Mais ça me fait flamber. Donc voilà. Donc toi, tu vas rester là déjà. Il y a le feu partout, c'est super agréable. En fait, j'ai décidé de tout lancer, comme ça au moins c'était efficace. Voilà. J'ai un pistolet fric, ça va pas me servir, mais je veux la torche. Voilà. La torche va me servir plus que le pistolet fric, par exemple. Parce qu'en fait, ça me fait des dégâts de zone assez facilement et voilà quoi. Le piquet, on s'en fiche, le piquet. Le pistolet fric, il est pas mal parce que ça me donne de l'argent. Donc en fait, le truc, ce serait, faudrait que j'ai. Tu vois, je prends ça, toi. Voilà. Donne-moi de l'argent. Mais non! Qu'est-ce que je suis bête? Voilà. En fait, faut que je vise quelqu'un. Ça me fait de la thune. Et là, j'essaie de garder le maximum de vie. De façon à ce qu'on puisse passer tranquillement. Jusqu'au boss de fin. Ce qui est un peu compliqué aussi. Oh le feu. Oh là 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 là. Ça se passe mal, ça se passe mal. Ça se passe très 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 mal. J'ai perdu trop de points de vie encore, pour rien. Ah mais j'avais l'application, j'ai oublié. Oh. Là il y a l'équipe en plus. Bon, on prend le feu, la graffe on s'en fiche. Je prends de la vie. Ah mais c'était de la vie. Je crois que c'était le... Bon. Ok, très bien. Du coup, on va pouvoir utiliser ça tout à l'heure en combat. On va prendre ça parce que je veux pas du tout de l'attaque au corps à corps tout le temps. Après, ça pourrait être pas mal, mais... Par exemple, lui, il est nul. De ouf. Il fait que de la... Voilà. Il fait que des trucs pour... voilà. Pour m'embêter. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé, bon c'est pas grave. Oh, je suis en train de tout casser, c'est nul. C'est nul. Et elle récupère la thune en plus, oh là là. Tiré par la thune, là, les chauves-souris. On prend ça. Intéressant. Alors on va aller voir notre malédictionneur favori, là, l'entrepreneur. Bon, ça c'est pas un problème. On a réussi à le gérer tout à l'heure. Et en plus, on a une lame. C'est très bien. De feu. Ça va être le bordel. Ça jusqu'à la fin de ma vie.
Et du coup, j'ai tué Joblin là. Joblin, il est mort. Purée. Ah! Et voilà! 66 coins! Très bien! Et du coup, on va pouvoir garder un truc. Eh bien, on va prendre ça. Et voilà, ça c'est bon. On a tapis au maximum, je crois. Ah non, faut que je finisse d'abord. Et ça va être fait. Donc là, qu'est-ce qui pourrait m'aider? Faudrait que je cours vers quoi? Il y a un truc à distance, là. Il y a le feu ici, qui peut être pas mal. Bon, en même temps, j'ai ça. Donc, Voilà! Quelle arme magnifique! C'est le perfect cube every time. Et j'ai une deuxième épée de légende, mais c'est magnifique! Que demande le peuple? Et en plus, elle tire des lasers maintenant, c'est magnifique! J'ai tout pour le boss! Ouais! Alors, la grande question, c'est est-ce que je vais réussir à passer le troisième niveau? Ce serait bien de récupérer de la vie, là. C'est pas ok, c'est pas elle qui me dérange. Voilà, c'est lui qui me dérange. C'est bon, vous avez pris toutes mes thunes là? C'est sale gosse. Y'a du feu dans le coin ou pas? Non. Y'a des trucs à tête à chercheuse dans le coin? Non. Non, 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 non. C'est bon. Oh mon dieu. Oui, très bien. C'était bien. Cette idée là de prendre l'échelle était très bonne. Ok. Le contient plus d'objets. Quand vous arrêtez de ramper, c'est ceux qui se trouvaient au-dessus de vous explosent. Mais je sais pas quand on rampe, donc moi j'ai plus d'objets. On va prendre la bombe. Ouais, c'est pas mal. Voilà, exactement ce qu'il fallait pas que j'aie. Mais okay. Ok. Oh non. Il me faut une flamme en fait. Il faut un truc. Oh, j'ai plus de flamme. Oh là là, c'est nul. On va prendre ça pour aller vite. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Alors c'est maintenant que ça va jouer. Donc il va nous falloir ça. Il nous faut de la vie là. Être sûr. En tout cas, ça va mal se passer forcément. Non. Wow. Oh, j'ai perdu ma... Mon dieu, j'ai plus mon arme de feu. Je suis deg. Ah mais j'avais le flash encore. Peut-être que je pourrais l'utiliser contre le boss à un moment.
Bah du coup, après un coup reçu, vous êtes plus vulnérable, vous gagnez 10 8. Voilà, on va prendre ça. Et je peux prendre un autre truc en même temps, je suis blindé là. Voilà. Je suis tout pété. Ah oui, il y a un truc là. Prendre le téléphone explosé, on va l'utiliser. Oh non. J'étais bloqué, mais non, ça va. Ok. Ok. Alors, ce serait bien d'avoir une appli, mais bon, là c'est dead, je pense. Temps d'itération. Après des roulades plus rapides. Je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais. On va dire qu'on comprend. Ça pourrait être pas mal parce qu'il me faut une arme à distance en fait avec le boss. Comment je suis monté? Ah oui, comme ça. Ouais, contre le boss, il me faut une arme à distance, donc il me faut ça, je pense. Bon, on va voir après. C'est le bordel. C'est le bordel. L'application, par contre, je vais pas pouvoir augmenter. Oh là là, ça va être compliqué, le boss. Alors, un balai, non. Un balai qui fait du feu. La pelle pourrait être... On va prendre le balai. Il y a une bombe là. Ça pourrait être pas mal. Ah ouais, mais c'est faut tellement bien choisir. Hein. Ouais, c'est compliqué. On veut de la vie. Vas-y, on va faire ça. On teste comme ça. On va voir ce qui se passe. Déjà, on va commencer avec la graffeuse, parce que la graffeuse, elle est bien. Oh non, peut-être la tête chercheuse. La tête chercheuse. On va faire la tête chercheuse, comme ça va me libérer un truc direct. Ah, il s'est cassé direct, là. On la graffeuse, hein. Mais non, mais... La lance pas, s'il te plaît. Rien du tout. J'ai tellement de vie là que le balai va faire le travail. C'était quoi ce truc? Ah, on va le tout lui lancer, et puis voilà. Mais elle lance bien aussi, wesh. Ouais, il a... Mais vas-y, mais lance, wesh. Tu peux arrêter de t'enflammer là? Ok, ça va être la misère.
comme ça c'est bien, t'es en plein mail. On va peut-être le faire, hein. C'était nul, ça. C'était nul. Il y a presque plus rien que je peux garder. C'est un mine, ça. Ouh là là. C'est bien, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, le feu est vraiment bien. Est-ce que je réussis, ça? J'ai visé, voilà. Et ça a l'air pas mal. Okay. Vas-y, ramène tes joues. Ok, il y a de la masse, viens. On va y arriver. Hein. Voilà. Et voilà. Ah, purée, c'était dur. Hein. Mais ça fait mal, sérieux. Même mes yeux ont leurs limites. Et d'abord, pourquoi toute cette violence? On a un max de sticks coins ici. J'avais jamais entendu parler des sticks coins avant de descendre ici. Tout ce que je veux, c'est votre réplique. Relique. Tu es sûr que je peux pas t'acheter ça? T'es sûr que je peux pas t'acheter? Le stick, c'est super précieux. Le cours va s'envoler d'une minute à l'autre, et bientôt on conduira tous des jabs sur la lune. J'ai du mal à y croire, vous êtes resté là-dessous depuis combien de temps déjà? Je pense que je vais juste prendre ce pourquoi je suis venu et ficher le camp. Merci. Waouh, la pluie. Comme tu voudras, No Coiner. Tu vas t'en vouloir dans quelques années quand nous on se prélassera à Neo Hawaii et que toi tu feras toujours ton boulot pourri. En même temps, j'espère qu'elle sera payée dans le futur. Et là, c'était petit ref à Dark Souls. Et voilà. Un ancien grimoire qui contient toutes les transactions de Styx Coin. Il y a une pluie là. C'est incroyable. Et du coup, on a réussi à avoir notre tuteur augmenté. On a validé pas mal de trucs. Ok, super. Du coup, on a un bon enchaînement de compétences. Hein. Trop marrant. J'ai le machin. Je ne veux plus voir un seul squelette de ma vie. Tu as l'air tout abattu, Jacqueline. Je pensais que tu t'es ravi de m'aider à faire progresser ce bureau. On se demande pourquoi. Ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je ne fais toujours pas le job pour lequel j'ai postulé. Elle était stagiaire marketing à la base. C'est le déluge, ouais, c'est un peu ça. Pour lequel j'ai postulé que je me fais tabasser tous les jours et que les reliques que je ramasse ne font qu'empirer la situation pour tout le monde ici. C'est vrai qu'en fait, le premier, je rappelle que c'était la cafetière. La cafetière a amené du burn-out, parce que c'était le but du monde, c'était le burn-out. C'était justement des livreurs, et du coup, le fait qu'ils livraient, ils sont tous devenus fous et des ghouls. Et ensuite, le deuxième, c'était une application qui était créée par une start-up de rencontres, et du coup, c'était le harcèlement. Et là, le troisième, du coup, c'est clairement le stick soin, donc le fait de monétiser un peu tout. Voilà, la thune. Tu as raison, Jackie, tu as travaillé très dur pour moi et je ne t'ai pas montré le respect que je te dois en retour. Non, parce que de toute façon, t'es pas mon tuteur en fait, c'est Tapi mon tuteur. Ma tuteur. Tu as toutes les raisons d'être en colère contre moi. Si ça peut te rassurer, je te promets que tout ça, c'est fini maintenant. La relique que tu viens de ramener était la dernière. Je peux maintenant mobiliser toute mon attention pour te trouver le boulot que tu mérites vraiment. Je ne sais que ça n'effacera pas tout ce que je t'ai fait traverser, mais je pourrais même parler de ton excellent travail à Ray et essayer de t'obtenir un poste payé ici, chez Fusol, si ça t'intéresse. Waouh, ça serait génial. Qu'est-ce que tu en dis? Et si on installait ce petit bonhomme? Ouais, d'accord. Voici le Necromiconte. Le Necromiconte. Le Comte
Donc, Necromicon, c'est référence à Land of the Dead. Non, pas Land of the Dead, c'est comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle ce film d'horreur? C'est le premier film d'horreur de. Comment ça s'appelle celui qui a fait Spider-Man? Sam Raimi. Et c'est avec le mec qui a perdu son bras et qui a une sorte de mitrailleuse dessus, je crois. Je sais plus. Ah, je me rappelle plus du nom. Ouais, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Zut, c'était pas censé arriver si tôt. Ah, c'est le portail de la productivité. Oh, le portail de la productivité! Trop bien! Super, je suis très content. Merci Going Under de me trouver le portail de la productivité. Je me posais la question. Du coup, comment être plus productif? Je suppose qu'il faut du harcèlement, tout ça, au travail, plus le fait que on se rajoute du café, enfin ouais, bref. Voilà, tout ça. La productivité, je vais l'écrire en grand dans le chat. Productivité. De. Non, mais c'est pas possible. Il n'apparaît que pour les équipes les plus efficaces, ces réponses sont positives à travers tout le bureau. Surtout, n'y entre sous aucun prétexte. Vous pensez vraiment que je vais ignorer? Tu auras ton propre bureau. Ça marche. Donc là c'est ok qu'on va pas rentrer. Et sinon, tu vas encore dans les magasins physiques, tapis? Nous demande. Eh bien, écoute, j'espère. Hein, oui, des fois, oui. C'est la misère, tu trouves pas, c'est tellement mieux d'acheter en ligne. Ah, je sais pas, je pense pas. Quand il y a un truc que tu veux trop t'acheter 9 fois sur 10, ils ne l'ont plus en rayon. Mais quand tu leur demandes ce qu'ils ont en réserve, comme par magie, ils te trouvent ce que tu veux. Ou alors, ils croient carrément que ce que tu veux, c'est des substances illicites, dans tous les cas, c'est la gêne. C'est Tapi qui te le dit. Alors, Tapi, là, je suis un peu moins d'accord avec toi. J'essaye de m'en souvenir, merci. Merci Tapi de m'avoir soutenu pendant toutes ces périodes. Voilà, nous allons nous acheter notre compétence. Tout de suite, maintenant. Les objets du café reviennent en stock quand vous les achetez. Ah, c'est intéressant. On va acheter ça. Aller en trouver le cloud personnel. On va récupérer des données. Faut aller dans les donjons, du coup, again. On va aller voir que Tapi, on va voir si les comptes sont faits. Hey, G, on a comme une urgence ici. Tu pourrais pas m'aider? Bien sûr, encore des feux à éteindre? Non, c'est pas ça. Ray s'est acheté une nouvelle chaîne Hi-Fi pour sa voiture avec l'argent de la boîte. C'est pas du détournement d'argent, ça. Le conseil d'administration va être super en run s'ils apprennent ça. Donc il faut que tu ailles acheter du matériel de bureau et que tu me ramènes la facture pour que je mette ça dans les comptes à la place. Eh bien, ça s'appelle de la. Comment on dit quand on cache les comptes? Quand on. Alors attendez, je réfléchis. Je réfléchis en remplissant. Voilà. Voilà, c'est la fin, bien entendu, comme d'habitude. Donc, ouais, c'est. Comment ça s'appelle? C'est la modification de compte. Comment ça s'appelle ça? Je me rappelle plus. En tout cas, c'est illégal. Hein. Je précise quand même. C'est illégal. Je n'y connais pas. Ah oui, de la fraude. La fraude. Exactement, Jackie. Je n'y connais pas trop en fraude, mais pour moi, ça ressemble à une fraude. T'en fais pas, Jackie. C'est comme ça que ça marche ici. Si tu ne supportes pas de bidouiller les chiffres, la finance, c'est pas que pour toi. Si on te demande, t'as qu'à dire que tu achètes des fournitures pour ton lycée. J'ai 22 ans et je sors de la fac. Cool. Et je viendrai te voir la prochaine fois que je dois monter une asso étudiante. Maintenant, file acheter tout ça avant qu'on se fasse tous virer. Mais Tapi, tu étais quelqu'un de bien? Tu étais la meilleure d'entre nous. Je suis choqué, Tapi. Bon, bah, j'achète tout. Hein. Voilà, comme ça se fait. On a des trucs à faire, hein, mais. Les objets du café sont de nouveau en stock. Oui, bon, alors, en fait, on peut augmenter le truc, mais je vais pas faire du 100%. C'est déjà bien de jouer au jeu. On va garder notre truc, hein. Oui. En fait, ce qui serait bien, ce serait de refaire le détruire le syndicat, peut-être. Remplis ton inventaire de slime. Ça, c'est compliqué, ça. Ne pas entrer dans le portail secret, bon, on va le faire. Acheter 3 armes en une partie. Battez 10 ennemis avec des téléphones explosés. Bon, ça, c'est plus compliqué. C'est des autres trucs. On va faire ça. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Prêtes? C'est parti. C'est le dernier niveau. On va devoir se taper, je pense encore, contre quelqu'un de plus fort, parce que c'est toujours le principe des trois. Espace de coworking. Pistolet.
Ah mais c'est... Ah c'est quand on joue en multiplayer ça, non? Non? Oui c'est ça. En fait on est... c'est une arène. Ta connexion n'arrive pas à suivre le stream, c'est sans doute parce que j'envoie du 1080p et que le 1080p c'est pas un... Faut arriver à 50 pour pouvoir arriver à faire un truc en fait. Je vais pas y arriver en fait. Ouais c'est ça, c'est une arène en fait. Bon, ok. Ils m'énervent eux, pourquoi ils veulent pas me... Laisse-moi tranquille. La vie est très étrange. Oui, bah là on est totalement dans l'espace coworking du truc. Ah c'est pour eux. Je comprends pas. C'est censé me glacer. Ça me glace. Ah oui, pour les slimes, ça aide. Je prends du lit. Ça me protège. Ok. Il n'y a pas trop d'armes intéressantes. Pour le coup. On a fini le jeu du coup. Parce qu'en fait là le truc c'est... C'est clairement... Est-ce que l'orage perturbe le bureau, le réseau 4G? Normalement, non. Je regarde, en fait. C'est possible, hein. Ah, mais merde, je vais foirer, en fait. Ah, mais eux, ils sont, c'est des gros bourrins, je veux pas, en fait, d'eux. De la vie. Compliqué, hein, oulala. En fait, c'est bien, et en même temps, j'ai l'impression d'être dans la fin de Jet Set Radio, là. Oh non, j'ai perdu le troisième. Oh, j'étais pas loin. Canon à confetti, ça c'est bien comme arme. Ah, on peut choisir un truc. Alors, intimidation, ce serait pas mal. Ah, il y a le loi de plus vous cassez d'objets, plus vous allez vite. Mais ça c'est très bien ça. C'est exactement loi de Untitled Goose Game. Ah, qu'est-ce qu'il y a des slimes. Le truc de carreau est vachement bien. Du coup, je sais pas si je vais trouver du slime par contre. Ça, c'est autre chose. Bon, bah, on continue, hein. Écoutez, on est bien parti là. Hein. Et en plus, il y a le point de pointe. C'est quoi ce bordel? C'est vraiment pour finir le jeu en fait. C'est oh, c'est joli. Moi je veux monter. Comment qu'on monte? Ah oui. Je vais récupérer le truc jaune blanc. Je cherche un bon pas. Non! Ah, c'était pas mal en fait. Moi je veux le jaune blanc là, le truc là-haut. Chercheur d'emploi, en fait, ça permet d'aller chercher. Allez, 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 allez. Non. Et en plus, il y a l'épée là-haut, là, que j'ai jamais essayé. Avec les cœurs. C'est compliqué. Je peux prendre le... Oui, je
chou, on va prendre ça? Ah non, on va prendre ça. On va prendre ça. J'aime bien. J'aime bien, je me suis bien débrouillé avec. De la vie, ce serait pas mal. Mais je l'ai pas pris, je sais pas pourquoi, quelle bête. Voilà. Bon, on vient de faire le niveau. Ok, c'est très bien. On va pouvoir se débarrasser enfin des slimes. On va prendre le pistolet. Et ça. Je sais pas jusqu'où on va, mais ça a l'air de rétrécir en plus, donc c'est agréable, on va dire. Oh là là. Waouh, 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 waouh. C'est dur. Mais en fait, je dois aller jusqu'où, là? Le jeu est fini ou faut que j'aille jusqu'au bout de la route du coworking? Ah, il y a des nouveaux trucs. Subir des dégâts d'un mur gèle tous les ennemis. C'est intéressant. On achète. Bah du coup, c'est pas mal. Hein. Est-ce que j'ai débloqué un truc, Marais? Marais, j'ai débloqué un truc pour toi, je crois. Tu t'y connais en relation... non, ça, faut pas poser ces questions-là. Enfin, si, tu peux, mais là, t'es en milieu professionnel, j'ai envie de te dire. Genre, trois personnes qui sortent ensemble. En fait, c'est un vaste concept très nuancé qui peut décrire de nombreuses structures relationnelles. Mais pour réduire ça à un objectif de gameplay réalisable, on va dire que oui. C'est déjà assez compliqué de sortir avec un démon, Marais. Maintenant, tu veux que je sorte avec deux à la fois? C'est important de sortir de sa zone de confort. Tout ce que tu sais à faire, c'est... Si c'est pas pour toi, alors t'auras juste à ronc. Ou mieux, tu peux laisser tes partenaires mourir dans des pièges de feu. Quoi? 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 Comment... Quoi? D'accord. Ok. Alors, il faut dire que cette question-là, on... Du polyamour quand c'est un mec toxique hétéro comme Marais, c'est pas très 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 recommandé. C'est surtout pour ça que ça m'a traumatisé en fait. On va prendre tout ça, on va prendre ça. Je comprends pas, c'est censé... oui, durabilité augmentée, donc c'est ça en fait. C'est pas le... Je vais taper avec le giga jabou. Ah oui, il y a le... Attendez. Je vais essayer de la... Voilà. Tiens, prends. Faut que je le fasse trois fois, ça. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait. La crosse... Non, c'est comme ça. Le poker. Facile les slimes, hein, quand ils sont gelés. Ah, ils crachent du feu. Moi, je suis dans le feu, là, dans la normalité. C'est super, je suis très content. Et bien écoute, c'était bien. Hein. Alors il y a une application là-bas, je vais prendre ça. Tout ce dont vous n'avez jamais rêvé, bah vas-y, amen. Elle est où ma délivrée? C'est tout? J'ai même pas le poker, c'est pas grave. J'aurais dû prendre le poker. Intimidation, taper plus fort, c'est ça? Repousser les ennemis plus loin, ça c'est très bien. Ok.
Oh, j'aime pas quand tu fais ça. Oulala. Oulala. C'est bon, je l'ai jeté en l'air. Oh, il me fout de la vie. Vas-y, lance. Mais non! Je l'ai pris dans la tête et du coup... j'ai explosé. Aïe, 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 aïe. Bon, en soi, ça se voit que c'est la fin. Ça se voit que c'est la fin. Du coup, on va continuer. Mais en fait, le truc, c'est que... Voilà, on peut relancer les trucs, battre 10 ennemis avec les... Alors, on n'a pas vu de téléphone pour l'instant, détruire le syndicat, faudrait le faire ailleurs. Acheter 3 armes, on peut pas le faire. Donc, on verra. Là, le but, c'est d'aller le plus bas possible, donc en fait... c'est vraiment plus... Je pense que c'est vraiment plus le jeu. Là, c'est vraiment pour quand t'as fini, tu veux te rappeler un peu du jeu, comment c'était, tout ça. Mais là, c'est... Là, il n'y a plus d'histoire, en fait. Donc, on continue, mais on va sans doute... Oh, mais qui es-tu ? Voilà. J'aime bien les mondes. Les mondes sont très, très représentatifs de ce que c'est les images. Il y en a deux, là ? Non mais, sérieusement, je suis dans le feu en plus, ça va pas du tout. Je sais même pas comment je l'ai eu, mais je l'ai eu. J'ai changé d'arme apparemment. Le poker. J'ai perdu des vies, hein. Beaucoup, pour le début. Alors le hit, je sais toujours pas à quoi ça sert, ça c'est de la vie. Ça c'est plus grande chance de critique lorsque vous ne visez pas, et ça c'est les armes à donner. Comme ça. Hein. Bon, j'espère que vous appréciez les couleurs. Ah, il y a la balle de yoga, mon arme préférée du début. Et voilà. On fait ça plutôt bien, je trouve. On va prendre la crosse plutôt que le poc. Depuis qu'en fait il suffit juste de faire un boss et après ça passe, en fait tout le reste ça passe, il faut faire un boss en fait. Là, à chaque fois on s'est arrêté après le boss, on n'a jamais continué. Mais en vrai j'aurais dû peut-être continuer. Du coup là il y a la Stratocaster, il y a de la bouffe, on va prendre de la bouffe. J'aurais dû faire ça tout à l'heure. Et en plus on peut prendre autre chose. Non, comme ça, le gourdin pointe. Le feu. J'ai tout perdu là. Oh.
cajou. Voilà. On n'a rien vu de ce qui s'est passé, mais ça s'est passé. J'ai plus de vie. Oh non, mais j'aime pas ce genre de monde. On reste au milieu. Hein. Alors, il y a le truc de glace, là. Subir des dégâts d'armure gèle tous les ennemis, mais j'ai pas d'armure. Beaucoup critique charme les ennemis, c'est pas mal. On peut voir grand pour petit. Un peu, j'ai des dégâts supplémentaires avec la pointe des lances, j'en ai pas. Les armes sortent plus vite. On va prendre ça. Et du coup, je crois que les couteaux font des critiques. Ouh là là, il y a ça. On change tout de suite. On approche de la fin. Mais j'ai plus du tout de vie. C'est pas mal. C'est quoi ça? Ah, c'est un casque. Ok. Ah, y a mon truc préféré. Mais y a surtout de la vie. Ok. Bon, on continue, hein. On va jusqu'au bout. On va voir ce qui se passe. Et un couteau. Marv, toi ici? Est-ce le boss des boss? Est-ce qu'il faut que je sauvegarde? Ah non, je peux pas sauvegarder. J'aurais dû deviner que tu viendrais. C'est ça le problème avec ta génération, tu sais. Vous voulez toujours fourrer votre nez partout. Surtout, ne touche à rien, ok? Si ce rituel échoue, on aura des gros problèmes. C'est quoi cet endroit? Calme-toi, Jackie. Ça doit te faire un choc que je t'ai envoyé de chercher des reliques dans un but secret. Non, pas du tout. Je savais bien que ça puait le coup des reliques. Mais j'avais pas réalisé que ça puait dans le genre dimension chaotique subspatiale. En tout cas, j'ai changé d'avis. Allez en enfer, vous et votre boîte à la noix. Tu vois, ces reliques sont bien plus que des simples artefacts, ils améliorent, qui améliorent le business. Elles se manifestent mystérieusement quand une entreprise coule. On pourrait dire qu'elles sont constituées de pur désespoir. À chaque fois que Cubicle a dissous une start-up, le pouvoir latent qui sommeillait sous leur site se renforçait. Et ce pouvoir est désormais entre nos mains. Mais, vous m'écoutez au moins? J'espère qu'il va pas nous faire des techniques de coupe avec son arme, là. Joblin, plutôt. Winkidink. Stixon et tellement d'autres. Je les ai regardés s'effondrer et je ne laisserai pas Fizzle être la suivante. Si seulement j'arrivais à maîtriser le pouvoir de cet espace de coworking, nous pourrions nous autofinancer et nous libérer de l'entreprise de Cubicle. Je ne comprends rien à ce que vous dites et cet endroit est franchement bizarre, mais ça n'en vaut plus la peine, Marv. La façon dont vous gérez cette équipe a rendu tout le monde misérable là-haut. Et ce n'est pas en bidouillant de la magie noire que ça va s'arranger. Je ne peux plus rester là sans rien dire, je vais vous arrêter et vous détruire ces reliques. Ok. On en est là. Oui. Alors, virez-moi si vous le voulez. De toute manière, vous n'aurez jamais eu l'intention de m'offrir un poste. Oh, Jackie. Ah, j'ai oublié de lire. Ah oui, t'es comme ça. Ah, il bloque en plus. Wow, mais tu viens ou pas? Wouah! Oh là 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 là.
Ah, mais il m'a coupé le... il m'a coupé de ouf. Ok, d'accord. Donc maintenant on sait qu'il y a un boss. C'est déjà bien. Du coup, Marv n'est plus en haut. Ok. Toute façon, j'avais prévu hein, que c'était pas lui là le plus sympa. Donc, hein, je m'occupe de vous, les mecs. On revient. À tout de suite. Donc, faut que je garde le maximum de vie. On va essayer de finir hein, comme ça c'est bien. Couper. On faudrait couper la VOD, je pense. Parce que là, ça fait genre énormément de temps. Donc, on joue tranquille. Il aime pas trop la musique. Hein. Ok. Bon, on va faire ça. J'ai perdu une demi point, un demi-point de vie, ça va. Pour le début. Je sais même plus combien de vie. Ça rame. Un demi-point de vie encore. Très bien. Pour l'instant, on est plutôt pas mal. Restez alerte. Hein. Alors. Petite réduction dans toutes les boutiques, non. Ouvrir des caisses vous donne plus d'argent. Non, il n'y a pas de caisse. Si vous mangez, votre force augmente. Bon, il n'y a pas de bouffe. Et tenir les trucs à une main. Alors, on fait ça. On fait ça! Ça c'est bon. Et ça c'est bon. Salut. Donc là je reste ici, ça devrait aller. J'aimerais bien pouvoir, ouais, continuer. Il est où mon pote là? Il revient ou pas? Non. J'ai de la vie. Il me faut de la vie. C'est très bien. On a de la vie. C'est eux qui me foutent en feu là? Ça sert à rien dans leur histoire. Je sais pas à quoi ils servent au air zap à chaque fois, je comprends pas. Bon, on va prendre la voiture. Je veux pas les. Mais. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible! J'ai perdu toutes mes vies en voiture, quoi. La voiture qui... C'est incroyable. Incroyable. Oh là là. Il y avait du feu. Il y avait du feu tout de suite. Le slime, j'ai du mal à saisir en fait. À quel moment il est agressif ou pas. En fait, il change de yeux, mais d'œil plutôt. Et
Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh là 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 là. Purée. Bon, alors on va affronter ça. Ouais. On va prendre ça parce qu'en plus, le... En fait, il faudrait que je m'équipe pour le... la lame à la fin. Mais Ok. C'est tout? Voiture, on perd tellement de points de vie en fait. C'est pas possible. Et je suis allé direct. Aïe aïe aïe. Bon, on prend le feu. Déjà. Mais il l'a rattrapé! Non, on se crée des petits derrière quoi. Wouah, je suis choqué. Et dire que j'y arrivais trop facilement à les avoir. Et là, ils sont en mode full tranquille. Oh, j'ai plus d'armes, c'est incroyable cette histoire. Aïe aïe aïe. C'est la fatigue, je pense. C'est la fatigue. C'est l'empathie. En plus, on gagne plus en fait. En fait, on gagne plus d'argent pour débloquer des compétences, je remarque. Et les compétences qu'on a, elles sont déjà pas mal. Je pense que c'est elles qui sont nécessaires pour avancer. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y a une compétence qui doit être... En fait, on peut avoir des... Faut que je fasse attention, mais je pense qu'il y a moyen de les avoir uniquement à distance. Bah, tiens, il y a la bombe déjà, on prend la bombe. On va continuer avec la bombe. Prendre le feu. Et il me faut un truc de proche, de proximité, bon on va prendre ça. Le rapporteur. Lancer la bombe en premier. Bon, en même temps là c'est pas trop en train. Normalement. Cher ami. Bon, je sais pas si le rapporteur était mieux. Bon, c'est pas grave. Là, on va prendre la cible. On va mettre sur le bouton. Ça, on va se faire. Comment ça? Garde le pistolet, je pense qu'on va pouvoir se servir un peu au début. Ah, ça c'est quoi déjà? Roulade, le sol s'embrasse, c'est pas mal. Temps d'itération, c'est pas mal. Là c'est quand il y a plus de gens. Invulnérable. On va prendre ça. Ce petit coup était nul. Il était nul de nul. Y'a rien de bien en plus ici. Oh là là, il y a le pistolet. Peut-être que le pistolet il a toujours des trucs. Je ne pense pas.
Il est vide. Ah, l'ordinateur, il est à tête chercheuse. Ça peut être intéressant. On va utiliser ça. On va réutiliser notre technique de tête chercheuse. Sur eux, là, par exemple. Mais j'ai été touché là. Oh là là là. Ouah, ça j'ai pas compris. Compliqué là encore, on va prendre ça, je sais pas exactement, la chance de critique augmentée, ok. Il nous faut de la vie. C'est quoi ce bureau là? Pas mal. J'aurais dû prendre l'éventail. Le feu. Pas l'air de vouloir venir. Il ne vient pas, hein. Il y avait sans doute des trucs un peu mieux, mais c'est pas grave. De la vie ou un moyen d'avoir de la vie. Tire plus vite, non. Faut voir grand pour voir petit, c'est peut-être pas mal. Le choc, c'est pas mal. Ça, c'est quoi? Subir les dégâts d'armes en gel, tous les ennemis. Beaucoup critique électrophysique, c'est mieux. On va essayer de faire ça. Pas l'air. Wow. J'aurais peut-être pas dû l'utiliser maintenant, mais c'était nécessaire pour passer ce niveau. Voilà, comme ça on en a deux, c'est très bien. Alors là, il nous faut de la vie.
enlever le poker et on va prendre directement l'arme. Non, non, mais j'aurais dû deviner que tu veux un as, c'est ça le problème. Bon, ça, ok. J'avais réalisé que ça puait dans le... Genre, ouais, mais ça, on avait vu. Bonjour, 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 bonjour. En fait, je pensais que vous alliez changer de discussion. Ok, 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 ok. Vous allez rectifier ça. Comme ça, c'est pas mal. Ah ouais, non, mais ça c'est abusé. Ça. Ça c'est son stance, ok. Il y a un moment où en fait il me fait un contre direct. Moi j'ai l'impression qu'on peut l'avoir que comme ça, mais je pense qu'il y a d'autres moyens. Je pense que c'est plus safe en fait. Vas-y, fais tes stances, c'est pas grave. Pas très glorieux comme combat, mais on va y arriver. Oh, il n'avait qu'un. Oh là là. C'est pas mal quand même. On était à 16 tout à l'heure, mais là c'est 14. C'est pas mal. Aïe aïe aïe, ça fait mal de ouf! Et viens faire ton plongeon. Hein. 21, ça c'est beau! Allez, allez. Encore une fois. Un critique de 1, ce serait pas mal. Oh non! Non! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Ah, c'était bien jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous avez bien vu la barre de vie, parce qu'en fait la barre de vie elle est en haut. Ah, c'était pas loin! Bon. Allez, on se reconcentre, on y va. Donc on essaye de faire du distance encore. C'était pas mal à ce qu'on a fait au début. Garder plus de vie que ça peut-être.
Ah bah on commence bien, c'est bien. C'est pas mal, on y est, on est dans les clous. Oh, les slimes, cassez-vous. Ouais, ce serait bien si vous, ouais, voilà. Si on s'approchait, c'est bien. Les slimes, c'est cool. On le fait là. Ah non, mais on va aller chercher directement le jobin. Là. Presque. De toute façon, il y a tout qui est tombé, donc ça c'est déjà bien. Faut juste qu'on récupère. Tranquillement. Allez, allez, allez. Pourquoi on peut plus monter là? Qu'est-ce qui se passe? La pioche en diamant. Léa, t'as le chercheur. Là, c'est pas mal, mais là, elle est où le truc de Joblin là? Fandoir de Jobo. Mais. Là, t'as le chercheuse! Oh là là. Alors, on prend les basiques, hein. Oh. Les attaques chargées avec des armes aiguisées, tir des lasers. Ça pourrait être pas mal, ça, pour la fin. Allez, on prend ça. On prend ça parce qu'on en a besoin potentiellement pour la fin. Et j'ai une arme aiguisée en plus. Ah mais j'avais pas vu, mais il y a mes cactus préférés. On va prendre un cactus. Hein. Ah, quoique. Pourquoi pas. Hein. Je crois que c'est à distance en plus. Je peux manger ça? Oui, ça me donne de la vie. Non! Oui! C'est très bien. Ah, mais la lance de Joblin est là. Je l'avais pas vue. Ok, on n'a pas besoin de vie du coup. Là, c'est très bien. Alors, du coup, on va pouvoir s'équiper. Ça, c'est quoi déjà? Gain de plus 1 de cœur. Et Yit, je sais pas exactement ce quoi. Est-ce qu'on garde la vie? Plus tard. On a de la vie, tout est bon, on est très très bien. On est très 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 à l'aise. Oui, et du coup, ça a une lame, je me disais bien aussi. Ok. Donc, du coup, je pourrais lancer des lasers avec ça et le faire dans la recherche, mais du coup, il faut quand même le couteau à la fin. Donc, du feu, on va prendre le feu. Ouais.
Oh non, mais là, on va pas perdre toutes nos vies maintenant, s'il vous plaît. Les jeux blancs, là, elle est où, ma... Intéressant dans les mains aussi, on a ça, hein. ça c'est bien, on va prendre ça, hein. Et voilà, donc là il y a un truc pic, et là il va falloir choisir, infliger des dégâts supplémentaires avec la pointe des lances, c'est pas les lances, mais du coup à la fin il faut se voir grand pour voir petit, pas très intéressant, pistolet, plus de gens, plus de force. À la fin, on est tout seul, donc du coup, logiquement, subir des dégâts d'armure, j'ai tous les ennemis. Mais on va prendre ça. Il faut vraiment pouvoir petit. J'ai rétréci ? Peut-être plus rapide. Cette arme-là a une vitesse augmentée, donc du coup je devrais la garder, mais elle va se casser. Donc, on va prendre ça. Et là, on est ici. Et du coup, ça, c'est quoi déjà ? Stocker plus de données que vous ne pourrez jamais utiliser. J'ai besoin de vie. On va prendre ça. Ça, c'est quoi déjà ? As de cœur. Bon bah c'est parti. On est face au boss maintenant. Allez parle pas. Oh. Bonjour. Oh, nous allons te tuer. Oui. Oh, je ne vais pas monter du tout cet épisode, donc ça sert à rien. Allez, c'est parti. Excuse-moi. Il faut rester concentré, on a déjà pas enlevé pas mal. Ça fait 14 plus 7. On est bien. J'ai bien fait d'augmenter les attaques de... Thank you.
Pas mal. On est en avance, on a gagné. Je pense qu'on a gagné là, c'est pas mal, c'est pas déçu. C'est fini pour toi, Omar. Voilà. C'est fini. Tu sais pas ce que tu fais, chez qui? En gâchant mon rituel, tu as détruit la dernière chance de survie, la fiole. Tout le monde là-haut va subir un sort bien pire que le chômage. Tu es prête à endosser cette responsabilité, Jackie? Oui, je crois bien que oui. Oui, probablement n'importe quoi, mais je vais détruire ce portail, peu importe les conséquences. Si les choses s'empirent avant de s'améliorer, ça me va. Les choses doivent changer. Quelqu'un doit s'opposer à vous et à Ray. Sinon, la situation va continuer à se dégrader. Pourtant, pour tout le monde, je sais. Tu vas regretter ces mots. Tu m'as battu aujourd'hui, aucun doute là-dessus. Mais j'ai un plan de secours. Mes échecs ne peuvent être que positifs à partir de maintenant. C'est les gens à qui tu tiens, peuvent-ils... Alors, les gens à qui tu tiens, peuvent-ils en dire autant, Jackie? Dis bonjour à tes collègues de ma part. On va se taper contre les collègues, là? Vas-y, viens, viens, viens. C'est vraiment pas fini, là? Je dois prendre tout l'argent tout seul, ça vient pas à moi. Oh, ok. Le code QR là, tout ça. On va devoir se taper contre eux, là. J'ai pas envie de me taper contre tapis. Il va les menacer. Attendez une minute, je piche pas. Ça n'a pas de sens, tout allait très bien, enfin la plupart du temps. Où est passé Marv? Est-ce qu'il est au courant de tout ça? Que ce qui se passe ici? On est foutu, Jackie, c'est terminé. Quoi? Genre terminé, fini? Exact. Après l'échec du projet Fisgo, la baisse de popularité des parfums et la hausse budgétaire inacceptable de ces derniers temps, Cubicle a officiellement décidé de dissoudre Fizzle Beverage. Tu me fais marcher, là, Avi. J'ai fait absolument tout ce que tu voulais, on a suivi tous tes modèles. C'est ça le problème, Ray, j'ai pas arrêté de dire à Marv que ses propositions n'avaient pas de sens. Mais non, il fallait suivre les idées de l'IA. Espèce de saleté de friteuse à Big Brother de mes... Je savais qu'on dépensait trop. Ouais. Je leur ai dit et redit de faire attention au budget. Pourquoi ils ne m'ont pas écouté? Tout le monde m'a ignoré tout du long, comme d'habitude. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Raymond? Il n'y avait que les arômes avant, c'est tout ce qui compte depuis le début. Fizzle est mort le jour où tu l'as oublié. Est-ce que vous pourriez tous la boucler? Vous ne pourriez pas faire autre chose que de vous accuser les uns les autres? Je suis un entrepreneur, moi, je suis un pionnier, un visionnaire. Si seulement on ne m'avait pas collé cette bande de fainéastes dans les pattes... Je sais ce que tu es, Raymond, un tyran. Je n'aurais jamais dû te laisser devenir PDG. Oh, mais Fern, on n'aurait peut-être pas eu de baisse de vente si tes arômes étaient bons. Et puis c'est quoi d'abord, framboise bleue? D'abord, ça existe même pas. Bah, bleuberry, c'est... framboise bleue. C'est myrtille, c'est archi bon. Comment oses-tu? Laisse Fern tranquille, tapis. Et en passant, vous êtes tous une bande d'idiots, même pas capables d'avoir une opinion qui n'a pas été générée par des algorithmes. C'est un peu dur venant de quelqu'un qui s'habille dans une décharge et qui mange ses nouilles instantanées à tous les repas. Toujours mieux que d'être une employée lâche-botte sans cervelle. Vous n'êtes qu'une bande de snobs, de manipulateurs, de gamins, de pourris gâtés, de losers. Mais arrêtez en fait. Je déteste. Je vous déteste tous. Yo les mecs, il se passe quoi? Marais. Oh crotte. Non, c'est vrai qu'on a oublié Marais. Bon, ce n'est pas très intéressant en vrai. C'est la fin comme ça. Ouh, ma tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde se disputait et là, il y a eu un tremblement de terre. J'espère qu'ils vont bien. Trouver ce qui est arrivé à Fuzum. Vu que ça ressemble à un monde, est-ce que ce serait pas... Bah, déjà, il y a l'eau qui est revenue, là. En mode pétage de plomb. Marais! Allez, regarde ça, baby. Je suis carrément un poisson maintenant. Oui. Ça a pas l'air de t'inquiéter plus que ça. Marais surfe toujours sur la vague, baby. À marée haute ou à marée basse. Glou, glou, glou. Quelque chose d'affreux était en train de se produire, Marais. Tu pourrais pas être sérieux 2 minutes et m'aider à découvrir ce qui s'est passé? C'est pas trop mon style, tout ça, en fait. Être un poisson, c'est pas si mal. Je vais enfin pouvoir réaliser mon rêve de me remettre dans les toilettes et de tirer la chasse. Bon, si je comprends bien, je vais devoir me débrouiller.
apparemment on peut toujours descendre et... pour se mettre à jour, hein. Ouais. Ok. Ok, ok. Du coup. Ah, il y a... Comment ça s'appelle déjà? C'est... Car... Ah, tiens, on l'aurait pas vu venir. Voilà ce qui se passe quand on laisse un ordinateur prendre toutes les décisions. Il s'est passé quoi après le tremblement de terre? J'ai perdu connaissance et je me suis réveillé allongé sur cette table en forme de tranche de lard. J'ai jamais aimé cette table. Et c'est évident ce qui s'est passé, non? On a perdu. On a perdu quoi? Ah oui, elle a coulé, quoi. En fait, c'est ça le principe, c'est l'image de l'entreprise qui coule. Tapis, tu es où? Ma tutrice! Ma tutrice officielle! Ah. Chuck. Ray, salut gamine! Les tréfonds t'ont bien accueilli? Qu'est-ce qui se passe, Ray? Je comprends pas. Il y a eu un tremblement de terre et tout s'est effondré. On dirait que tout le monde est différent en quelque sorte, mais ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte. C'est assez simple, Jackie. On s'est fait dégager, on est tous dans les tréfonds. À découler maintenant, avec tous les autres monstres. La malédiction a déjà commencé à se répandre dans l'esprit de tes collègues, bientôt ils seront tous des sous-hommes poissons. Bon, ça, vu One Piece, c'est pas très grave. Quoi, vous êtes sérieux? Ils vont tous se transformer en poissons? Oh non, attends, tu as raison, c'est ma faute. Il y aura aussi des femmes poissons. Des gens poissons. Je ne sais pas quel est le bon terme, je n'ai jamais été très doué pour faire de l'inclusion. Peut-être que c'est vraiment ma faute si on est là. Sans doute. Hé, hey, qu'est-ce qui te prend, Jackie? C'est pas le moment de vous apitoyer sur votre sort, Ray. Toute ma vie, j'ai écouté des gens comme vous jouer les victimes, mais je suis pas la seule. Vous nous avez mis dans ce pétrin, donc si vous voulez vraiment aider, dites-moi comment je peux investir. Inverser la malédiction au lieu de rester là à regretter vos décisions minables. Je ne sais pas si ça pourrait marcher, mais le seul moyen d'inverser la malédiction, ce serait de se rendre dans la grande salle de conférence et de convaincre le conseil d'administration de recommencer à financer Fusel. Je suppose qu'il y a un mais qui arrive, mais maintenant que nous sommes dans les tréfonds découlés, toutes les portes de la tour cubicle sont condamnées. Ces ascenseurs ne peuvent être utilisés par une personne qui possède assez de parts dans les actions de Cubicle, ce qui te vaudrait le droit de siéger à la grande salle de conférence. Génial, donc on a une chance. Où est-ce que je peux trouver ces parts? Les seules parts existantes dans les tréfonds découlés sont détenues par les fondateurs des entreprises qui ont coulé. Et ils sont sûrement de moins bonne humeur quand tu as descendu là, que tu es descendu. Ah, il n'y avait que la première partie. C'est totalement impossible que tu puisses, j'ai compris, rebattre les boss, prendre leur part, pas de soucis, calme-toi un peu, ta joie gamine, tu n'as pas écouté, ça va être beaucoup plus dur cette fois-ci. Tu ne peux pas. Je le peux et je vais le faire, Ray. Je vais tous nous sortir de là et après je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre entreprise pourrie. Ou bien je mourrai en essayant, mais pas question de rester là à attendre que vous deviniez tous des gens poissons, ce serait complètement débile. Bon, alors pensons à ça. Si seulement je pouvais... Ok. Ok. Ça y est, ils l'ont fait, le bleu de mes rêves parti en fumée. Si les événements aujourd'hui avaient un goût, ce serait quelque chose de particulièrement répugnant. Comme la noix de coco. C'est très bon la noix de coco. J'adore la noix de coco. Disparais, Jacqueline, tu ne fais qu'aggraver mon désarroi. Ah, je glisse dans l'eau. Ok, d'accord. Donc en fait, là, il faut que je retape les boss. Oh là là. À cause de ma. Où est Tapis? Tapis! Tapis, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps parce que à 18h30 c'est le JDR. Alors on n'aura pas le temps de faire ça, je pense. Est-ce que je peux prendre ça? Non. Eh bien, c'est pas grave, hein. Et on va essayer juste de rentrer là. Voir la tête que ça a, la version hardcore des mondes. Et du coup, il restera encore un épisode. Je pensais qu'on allait finir là, mais... Dommage. Je pensais. Ah, comme d'habitude. Ah, ils sont... Vous êtes devenus ouf. Vous avez des têtes un peu incroyables. Tu vas le mettre tout de suite. Ah ouais, c'est, en fait, vous avez plus de vie. C'est juste le truc. C'est impossible. Bon. Recharge et parer les armées. Tu... Ok, super de dégâts d'armure. J'ai pas d'armure. Ah si. Ok, bon tiens. Amuse-toi bien avec lui. C'est un peu blasé, c'était pas la fin, j'avoue.
t'inquiète. J'ai joué. Hein. Je suis prêt. Hein. Je suis archi prêt. On va essayer de faire le directement. Je sais pas si on arrive directement au niveau. Hein, mais... De la vie, c'est où? C'est là. Ok, on continue. On va essayer d'aller direct vers le 3, mais je crois qu'on va pas réussir. On arrive. Salut. Rappelle-toi que les gobelins sont payés à la tâche à effectuer pas à l'heure. Okay. Donc il vaut mieux torcher un truc vite fait que de passer des heures à le peaufiner. Et c'est pour ça que les chauffeurs conduisent comme des fous ici. Tout à fait. Mais pas, faut pas que ce soit trop dangereux ou quelqu'un qui va faire un rapport en direct et c'est le licenciement direct. Ok. Faudrait pas non plus défoncer la voiture. Peut-être un moment contractuel, il faut trouver le juste équilibre entre bénéf et mort douloureuse. D'accord. Alors en fait, le truc, c'est que j'ai pas suffisamment discuté avec lui au début. Je pensais que ça allait être un jeu rapide, mais en fait, pas du tout. Ouais, bah, du coup, ça m'a ça. Voilà. Des coups, hein. Remember, cubicle loves you. Bon. Ah, la bombe, j'avais pas vu. Satisfaction guaranteed. Ah, c'est ce que j'ai commandé, c'est très bien. C'était le bon moment. Ok. Ah, c'est syndical, non? Allez. Sur 6 là, de tomber sur cette flaque. Ok, le syndicat il est fait. On va prendre ça. J'ai pas beaucoup de vie, on va aller acheter de la vie. En fait, c'est un truc de ouf parce que je m'attendais pas à ce qu'on refasse tout le jeu une deuxième fois pour pouvoir définitivement battre les boss, monter de 3 niveaux, etc. Enfin, vous avez compris. Oh là 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 là.
bien entendu. Toujours des problèmes de voiture. Hein. Ok, j'ai quoi? Moi, je suis en train et j'ai des lances, donc c'est très bien. Si d'ici 15 minutes on meurt, si moins, dans moins de 15 minutes on meurt, c'est fini. Je vais arrêter. Faut que je me prépare pour le JDR en plus. Voilà. Mais pourquoi je l'ai pas touché lui? Combien de vie là? Tu regardes. Ouf. J'allais t'attendre. Hein. Du coup, ça sera pour la prochaine fois. Bon, bah c'était bien, on a quand même bien avancé. Je pensais pas qu'on allait refaire tout le jeu, j'avoue. Du coup, on essaye de faire ça pour la prochaine fois. Dimanche prochain, je pense qu'on... Du coup, ça va aller vite, au final. Vu comment j'ai bien avancé là. J'espère. Est-ce que tu pratiques la méditation? Non, mais parfois je fixe le plafond en pensant à ma propre impermanence. Principalement quand j'essaye de m'endormir. Ça compte? Rien à voir. Mais ne t'inquiète pas, petite, je vais te convertir à la zénitude plus vite qu'un moine tibétain. Je te donne les clés de ma salle de méditation privée. Passe ici un peu de temps et je parie que tu ressortiras armé d'un savoir que tu n'imaginais même pas posséder. Ben, c'est bien ça. Ça a dû débloquer des trucs. Hein. Quand vous équiperez, vous pouvez en vous rendre dans une salle de méditation pour gagner une compétence supplémentaire. C'est intéressant. Du coup, j'ai débloqué un truc. Bien, qui est prête pour sa prochaine leçon? Ça devient carrément bizarre et je devais sûrement reprendre mes autres missions. Eh bien, c'est exactement l'attitude que nous allons purger de ton système dans la leçon numéro 4, affronter ses responsabilités. Lorsqu'une épreuve difficile se présente à toi, tu pourrais avoir envie de l'esquiver. Mais tu ne dois jamais faire ça. Comme mon père le disait, si tu évites la difficulté, tu n'es qu'un faible et un lâche. Super, merci. La masculinité toxique. Ça a l'air horrible, merci. Termine un étage sans faire de roulade. Voilà, donc on va s'arrêter là, je vais me rentrer à la maison, on va regarder s'il y a des fringues. Ouais, je pensais qu'on allait finir. Du coup, on va regarder les fringues. Bien entendu. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais pour l'instant on a la mineuse, parce que j'ai passé les niveaux. Ça veut dire qu'en fait là il y en aura au moins 3 avec les nouveaux. C'est pas fini. En tout cas, nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour Ship Stream, donc Going Under 5, et ça sera le 9 mai, de bon calcul. Donc ça sera le 9 mai, et du coup le jeudi, toujours chronologie des femmes artistes, je vais vous faire des appels pour pouvoir que vous puissiez voir, parce que j'ai vu que Wizbot ne l'avait pas fait. Donc oui, chronologie des femmes artistes, jeudi à 21h, comme d'habitude, pour votre plus grand bien. Donc on continue à faire les frises. J'espère qu'on va éviter de faire des bêtises sur les... parce que là, on a fait plein de bêtises cette semaine sur le... Comment ça s'appelle? Sur juste les personnes qu'on a dû voir. On a relu Laura Knight cette semaine. Donc du coup, voilà, c'est un peu dommage. Je vous mets les informations, si vous êtes intéressé, de 13 bis directement dans le chat. Grâce à mon mobile. Voilà. Du coup, c'est le jeudi à 21h, comme c'est écrit. Et le dimanche à 14h, comme d'habitude. Bien entendu... N'hésitez pas à aller voir Twitter, parce que je vous ai montré ça tout à l'heure, mais Twitter permet de voir justement la suite de tout ce qui est chronologie des femmes artistes, les informations diverses, etc. La chaîne YouTube
pour tous les replays, si vous avez loupé quelque chose. Du coup, par exemple, Going Under 3, 2, 1, n'hésitez pas à regarder. Chronologie des femmes artistes, elles y sont toutes sauf le 1. Il y a quoi d'autre aussi que je peux vous donner comme information? Je réfléchis là très rapidement en regardant dans mes à propos. Qu'est-ce que j'ai mis? Les commandes. Ah oui, bien sûr, j'oublie tout le temps, mais si vous voulez, vous avez remarqué que j'ai des problèmes d'ordinateur en ce moment. J'ai un peu peur de casser mon ordinateur du coup à faire ça. Mais si vous voulez nous aider à faire perdurer le stream, n'hésitez pas à donner. Voilà, il y aura un petit truc qui apparaît si vous êtes en live. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Oui, pour les jeux aussi, si vous voulez qu'on se tape un jeu. Si vous voulez voir, du coup, si vous voulez des informations sur Chronologie des femmes artistes, qui est déjà sorti, les artistes qu'on a déjà fait pour l'instant, il y a le Framapad. Voilà, aussi. Bien entendu, on peut se retrouver aussi chez Petit Cancan, donc Petit Cacané. Petit Cancanou qui nous fait un live Last of Us une fois en semaine A, donc on est en semaine A la prochaine fois. Et bien entendu, un autre jeu maintenant. Alors j'ai écrit Petit Cancanou, mais en fait, c'est son pseudo, mais c'est pas la commande que j'ai mis. Et du coup, en semaine B, on ne sait pas encore définitivement, mais on verra ça du coup dans 2 semaines. On aura le temps de savoir, je pense. Si vous passez mardi du coup à 20h, 21h en général, 21h. Voilà. Je vous fais des bisous. Profitez de votre temps, de votre moment. Soyez sympa avec tout le monde. Et love. Des bisous.